この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。Bonjour à tous, on est heureux de vous retrouver pour ce Minima Ceinture, beau premier épisode, le véritable premier épisode. Je rappelle, avant on avait l'épisode 0, et bien cette fois-ci nous sommes réunis autour d'une autre table, une table assez robuste de réputation dans un autre studio. On salue d'ailleurs nos amis de Gozulting, on leur remercie encore chaleureusement de l'accueil et du plateau qu'ils ont pu nous fournir pour lancer l'émission en live, et des idées surtout. Mais voilà, la première émission aura lieu dans un cadre un petit peu cosy. Celui-là, intimiste, voilà. Intimiste, studio d'un ami à toi, Daniel, d'ailleurs, autant le c'est préciser. C'est vrai, un ami mais désormais un ami commun, ce qui est encore un peu la marque de fabrique, de notre marque de fabrique, c'est d'avoir des amis communs dont on parle. Soumis à scène turbo, c'est ouais. Quoi ? Est-il encore besoin de le répéter après ce succès phénoménal sur les internets ? Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, c'est une émission non, c'est qui un va un être consacrée... Succès. C'est un humble succès. Phénoménal. Et on vous remercie tous. Phénoménal. Vraiment, on va vous remercier. On procédera au remerciement. Mais on rappelle le principe de cette émission, puisque c'est bien d'une émission dont il s'agit. C'est d'ailleurs pour ça que le lecteur YouTube va au moins jusqu'à 2-3 heures à peu près, hein, je crois. Et Dieu merci, le chapitrage existe. Donc, Soumis à scène turbo, c'est une émission qui est consacrée à la fois à la pop culture, mais également aux jeux vidéo japonais. Ça fusionne un petit peu les deux. C'est la réunion de toutes les passions communes. Il n'y a pas que les amis qui sont communs, il y a aussi les passions, donc, à savoir eh bien, les jeux vidéo, le manga, les animés, les films, les toys. Et le sport, plein d'autres choses, plein d'autres thématiques qu'on explorera au fur et à mesure des mois. C'est une émission qui est mensuelle, mais il y aura d'autres rendez-vous qui seront prévus tout au long de cette année. Et pour cause, parce que les différents paliers que l'on avait déjà fixés sur Patreon, eh bien, pour la plupart, ils ont déjà été, comment on dit, listés, checkés, atteints, unlocked. Achievement unlocked, exactement. Et c'est une super surprise. Ouais, fallait nous voir tous stressés avant, on savait vraiment pas du tout, et on tient à vous remercier encore de votre témoignage, de votre affection et de votre soutien, parce que ça nous va droit au cœur. On a un peu les larmes aux yeux à la fin, et en vrai, ça nous donne beaucoup de courage pour continuer, et donc on a une émission supplémentaire qui arrive, un let's play... un espèce qui s'appelle Sumi Masen Combo, et puis surtout, on a la garantie absolue que nous allons faire le Tokyo Game Show cette année, nous occuper dans la grande tradition du Tokyo Game Show avec ses sorties de stand, avec ses différents, la tournée des popotes, et puis aussi des et puis aussi les visites des studios, tu vois, on va essayer. Je parlais du salon, mais aussi énormément, on prévoit énormément de surprises et tout, des restos. Et des restos thématiques, bien sûr. Bien sûr. Ah oui. On va essayer le resto Monster Hunter cette année, peut-être. Très bien. Ouais. Ouais. Ce serait dans l'actu, qui sait. On va avoir vraiment le good cop et bad cop, je sens à nouveau. Ouais, oui, c'est vrai que tu n'avais pas été forcément transcendé par le resto Kirby, mais c'est vrai que tu es difficile, toi. Il te faut. Il faut les légumes bio cueillis à la main par le grand-père qui est en photo sur le. C'est le petit chef, voilà. Quoi. Ouais. Il faut qu'il soit submergé par une vague de saveurs. Il faut qu'il y ait du goût, et c'est exactement ce qu'on va préparer pour cette émission. Donc, on a le Tokyo Game Show, on a Sumi Masen Combo, et puis. Et puis voilà, juste pour préciser, évidemment, si ça continue, si le succès est au rendez-vous, en tout cas pour le Patreon. Alors, il faut rappeler l'URL du Patreon, qu'est-ce que c'est ? C'est simple, c'est patreon.com/soumimasen, voilà, vous pouvez y aller. Puis si vous avez, il y a plusieurs paliers qui sont disponibles, plusieurs niveaux de chevalerie. Et rappeler une chose, ça c'est vraiment le plus important, c'est que, merci de nous soutenir, ça c'est vrai, mais vous pouvez complètement regarder cette émission gratuitement sur YouTube. C'est quelque chose auquel on tient. Vous pouvez ne pas nous soutenir. Voilà, vous pouvez, comme disent les Anglais, nous hate watch. On n'espère pas, mais en tout cas, ça fait une vue en plus. Hein. Tout de suite les bons réflexes. Greg est très pragmatique. Non, et puis on voulait aussi vous remercier pour l'accueil qui a été fait à la fois sur YouTube, sur les différentes plateformes de podcast. C'est hallucinant de voir ce soutien.
voilà, qui, comme tu l'as dit, hein, nous réchauffe le cœur. Petite précision parce quand même pour ceux qui découvriraient l'émission avec ce numéro 1, puisque voilà, ce sera la véritable numéro 1. Je précise que tous les trois, on est des anciens de la presse de jeux vidéo. Ah voilà. Oui, c'est vrai qu'il faut c'est important se présenter. Ouais. Voilà, que Greg est le plus vétéran parmi nous. Ah, c'est sûr. A connu tous les âges de la presse, son âge d'or. Ouais. Son âge d'argent. son âge de plomb, à la fin. Mais bah, c'est plutôt moi l'âge de plomb. Et donc, Daniel, toi, tu as également bossé donc, à l'époque où on lisait la presse sur papier. Sur papier voilà, aussi. Ouais. Et moi, voilà, j'ai bossé sur Internet pendant plus de 20 ans. Donc, c'est ce qui nous a réunis autour de thématiques liées au Japon. Et passion on poursuit commune, ouais. Cette aventure. Exactement. C'est... Oui, c'est vrai. Alors, oui, Gotoz a parlé de Star 80 voilà, sur le plateau. C'est vrai qu'on est... On est 90. Certains disent vieux, d'autres diraient vintage. Ouais. Et bah écoute, par contre, c'est ce qui donne à vous deux énormément d'expérience. Greg, qui a vu à peu près tous les éditeurs possibles au Japon de la grande époque. Moi, j'ai pas mal roublardisé et Pouillou. pas mal roublardisé. Voici mon expérience, j'ai beaucoup roublardisé. Non, mais c'est une manière pudique de dire, bon, bah, c'est vrai aussi. Mais Pouillou aussi, toi, faut pas. Tu te présentes jamais et tout, mais c'est vrai que toi, tu as vraiment. T'es allé modeste. Aux quatre coins du monde pour suivre l'actualité du jeu japonais. Je t'ai retrouvé bloqué à Hawaï, je le rappelle. Ah, c'était une belle aventure à Hawaï. Hein. Bah, ouais. Le truc, c'est qu'on n'est pas resté bloqué à Hawaï, on est resté bloqué à Madrid factuellement. Mais c'était. Alors, je me souviens que par message, je te disais reste à Hawaï. Bah, on pouvait pas, j'ai un moment, ouais, c'était dans des conditions. Reste, ne bouge pas. C'était l'époque du volcan, faut le préciser. Ouais. Eijafajovku. Eijafajovku, cool, je crois, de mémoire. Que j'ai marché sur ce volcan, figure. Bon, tu sais, bravo, c'est ta faute, le volcan, tu as marché sur le volcan il n'en pouvait plus. Après coup, bah, c'est pour te venger, Pouillou, et tu poses une feuille de papier sur le volcan, c'est assez impressionnant. Hein. Et par contre, tes chaussures ne fondent pas. Non, mais c'est un peu comme Iki, tu vois, il faut rentrer plus profondément dans la grotte pour que ça fonde, ouais. Ouais. Iki qui est d'ailleurs sur le plateau. Alors pour ceux qui nous écoutent en audio, forcément vous ne direz pas la déco qu'on essaie d'agrémenter, qu'on agrémentera au fur et à mesure des émissions. Mais voilà, donc c'est Monsieur Garcin qui nous a offert notamment ce tableau d'une œuvre que je ne sais pas, que vous n'aurez évidemment pas reconnu. voilà. Et puis on a Iki derrière. Bon, ça ne se verra pas forcément au montage. Mais et tu as mis Ashura's Wrath. Ashura's Wrath, oui. C'est parce que c'est un original. Qui vient de ta collection personnelle. Oui, c'est ma collection personnelle, effectivement. Donc quand j'étais allé visiter CyberConnect2, eh bien, on est reparti avec ça sous le bras. CyberConnect2 dont on va reparler aujourd'hui, je crois. Ah, il y a des chances. Oui, parce que c'est bon de le préciser, le sommaire de cette émission. Bah, on avait fait, lors de l'émission 0, un petit peu notre bilan de l'année 2022, bah on s'est dit, tiens, ça tombe sous le sens. On va faire les attentes 2023, comme on reste encore en janvier au moment où cette émission se tourne. On a encore le droit. C'est encore la période des vœux de fin d'année. C'est vrai que l'année a déjà bien commencé, avec notamment deux grosses sorties. On parlera en grand jeu de Fire Emblem Engage. They're corrupted. They're everywhere. Voilà, ce sera l'occasion. Alors, Engage, il est pas... je sais qu'il y a une blague qui tourne. Ah, il sort sur Engage, mais pas du tout. Voilà. Ah, c'est une blague qui est... C'est une blague qui a tourné. J'ai vu des montages avec la Engage et Fire Emblem dedans. Voilà. c'est rigolo. C'est moyen, mais c'est pas mal. Et donc, Fire Emblem Engage, il y a Forspoken auquel on n'a pas forcément eu le temps de moi, se consacrer. Moi, j'ai un petit peu joué. Ouais. Mais je pense qu'on y reviendra après. Je pense que Forspoken, on va y revenir pendant des mois et des mois. Ça va être le jeu, soit... qui va être cassé par tout le monde, soit des gens qui vont essayer de le réhabiliter. Et je pense qu'on n'aura jamais vu un jeu aussi malmené et réhabilité très vite. Je pense que, évidemment, regardez plutôt Tsumimasen Turbo, mais je pense qu'il y aura d'ici à ce que je parle, il y aura déjà des vidéos qui disent... C'est pas si mal. La perle cachée de la génération PlayStation 5. Déjà. Bon, on verra ce qu'on en pensera le mois prochain. Peut-être qu'il y aura des avis un petit peu discordants. Peut-être que le framerate va être trop difficile à soutenir. Ah, mais arrête avec ton framerate, c'est pas possible, mais il a un toc. Ça, c'est pour les gens du Director Scott, ils savent déjà qu'on a fait des blagues sur le framerate. Mais c'est vrai. Mais oui, non, mais c'est. Ah, et faut dire quelque chose, parce qu'on a entendu un petit rire. Ce petit rire, c'est Hubert. Hubert en stop motion. Qui est-il ? Hubert est sur MSN, visiblement. On voulait pas la voir. Pour les gens qui n'ont pas l'image, Hubert est à environ une à deux images par seconde. Ouais. Un petit bug qu'on réglera la prochaine fois. Quelqu'un dirait que le framerate mériterait un petit coup de polish. Carte graphique. Là. C'est vrai. Ça rappelle, tu sais, les simulations de vol sur Atari ST. clic, 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 clic. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté comme ça. Bon, on espère qu'il va réussir à faire atterrir l'avion. Alors, je veux juste dire un truc. Tsumimasen Combo est acté et j'ai émis l'idée qu'il nous faudrait... Hubert, tu sais qu'il paraît qu'il aime pas les jeux d'horreur. Il y a Resident 4, il y a jamais joué.
Ah ouais. Est-ce que ça serait pas bien, pas intéressant de quand viendra le moment de Resident 4 de lui faire découvrir, l'un de nous lui fasse découvrir dans la joie et la bonne humeur Resident 4. Il y a même le PSVR 2 qui va sortir avec Resident 2008. Hein. Alors, se faire poursuivre par des paysans espagnols, il va pas comprendre. Et oui, Resident 8 en VR, mais alors, moi je suis prêt à payer, moi, tu vois, de ma propre poche pour. Je suis prêt, ouais, vraiment pour avoir un VR et le mettre sur la tête d'Hubert et voir sa réaction. Combien? Ah, tout de suite. Non, parce qu'il m'a dit qu'il a tenu 10 minutes au précédent Resident Evil avec le casque et il était terrifiant, c'est vrai. Mais j'ai envie de voir l'efficacité. Bon, le 8, il est moins flippant, je pense que ça va passer tout seul. Hein. Il y a le casque problème, sur le 8. Hein? Ah oui, il va être compatible. Il va être compatible plus tard. PSVR 2, ouais. La grande PSVR 2 va sortir en février. C'est vrai que c'est une des annonces pendant ce. C'est la sortie, la date de sortie et le prix de ce bidule quand même. Ouais. Mm. Bon, on aura le temps d'y revenir. Avant d'attaquer donc, ce gros dossier consacré aux attentes 2023 qu'on appelle le Futomaki entre nous, parce que vous avez le jeu de mots, c'est beau. On va parler de votre actu, messieurs, parce que vous avez bourlingué pendant ce mois qui nous sépare, qui nous a séparé du tournage de l'émission Zéro. Greg est parti... il est parti au Japon, il est revenu. C'est ensuite, vrai. Il est parti au Canada, il est revenu. Ensuite, il est parti à Angoulême. Il voulait revenir et son train à heurter un animal. Qu'est-ce qu'est le plus dépaysant, c'est Angoulême. Non, bah c'était pauvre bête, perd son âme. Rip. Voilà, ouais. Ce sont des choses sacrifié qui arrivent. Sacrifié pour le train de la BD. Voilà. Ouais. Donc, ceci dit, t'imagines que le TGV qui part à Angoulême, en général, il est plein d'éditeurs, plein d'auteurs. Et, la blague, quand tu pars à Angoulême le matin par le train avec tous les autres éditeurs de BD. De manga, de comics, etc. Se dire, si le train déraille, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le monde de la BD s'en remettrait, tu vois? Parce que t'as des trains avec des grands auteurs, t'as des trains avec des grands éditeurs. Qu'est-ce qui se passe si ça déraille? Qu'est-ce qu'on fait? Je t'avoue que j'ai ce même cas de figure et cette même interrogation parce que j'étais au Festival de l'Alpe d'Huez avec les rois de la comédie française. Et donc, t'es dans un train avec Cadmérat. J'étais dans le train avec Didier Bourdon et genre... Moi, si je disparais, bon, soumis à Saint Turbo, ouais, c'est un peu handicapant. Ça sera plus qu'un duo, mais là, on perd le plus drôle des inconnus. Tu vois, ouais. Ah, il y a une gradation dans la drôlitude des inconnus. Je suis déconné, ouais. Bourdons, oui, il y a la tier list des inconnus. Non, mais on perdrait, tu vois, genre tous les gens qui sont drôles et dans le train, enfin drôles. On perdrait, je sais pas... Je veux dire que la comédie française disparaîtrait. Cadmérat, Michael Liu... Enfin, genre, je mets des noms au hasard, mais tu vois, on perdrait tout ça, et d'un coup, et c'est le paysage de l'humour français. C'est que je me suis fait la même réflexion quand on était parti voir la 3DS à Amsterdam au moment de l'annonce où il y avait vraiment toute la presse de vidéos française. Ouais. Et je me suis dit, bon, bah, finalement, elle s'est crashée, pas à cause d'un avion, mais... Bref. Fallait racheter l'avion, en fait. Mais c'est vrai qu'il y avait vraiment tout le monde. Ils avaient invité la fine fleur à l'époque de... C'était la 3DS? Ouais, la 3DS à Amsterdam, donc quand elle était présentée avec Ocarina, avec, on était parti avec mon camarade Trunks à l'époque. Ouais. Ouais. Bah, c'est une blague récurrente. Tu sais, quand il y a la cérémonie d'Oscar, ils disent vous imaginez si on foutait le feu, toutes les stars seraient mortes. Putain. Mais il faut le dire un truc, c'est que ce genre de press tour existe moins aujourd'hui parce que. C'est amené à repartir. Ah ouais, tu crois de ce que j'ai entendu. Ah, alors, il faut qu'on se positionne, la Soumi Massène. Ah bah voilà, ben bah non. Soumi Massène Hawaii. D'ailleurs, ça me fait penser, hein, on a fait la démarche auprès des éditeurs. Oui. Donc, il y a des jeux qu'on va recevoir de la part des éditeurs, ça me paraît important de le souligner. Bah, voilà, les jeux toujours des journalistes, qu'on sera sans doute amené à présenter, voilà comment on va les décortiquer sous un prisme journalistique, évidemment. Eh bien, ce seront des jeux qui nous seront fournis par les éditeurs. Il y a une autre précision aussi qui me semble importante d'apporter, c'est que cette émission a un sponsor. Ah oui, c'est vrai que nous avons un sponsor. Ah, déjà là? Ouais. Ouais. Si vous avez aimé le stream, vous pensiez que c'était très préparé, attendez-vous là aussi. On est à peu près. Si, c'est préparé. Oui, oui, bien sûr. Non, mais ça, j'aime pas quand Daniel minimise la préparation de cette émission. Non, c'est vrai, Pouilleux prépare beaucoup. C'est vrai que d'un point de vue technique, on a déjà vu des émissions. Par exemple, il y a plein de grosses émissions qui ont besoin d'énormément de moyens et qui ont besoin aussi de financement participatif, comme nous avec Patreon, mais aussi d'un sponsor. Et c'était une manière de pérenniser pour être sûr. On sait que les paiements participatifs fluctuent. On espère être toujours au top et que vous soyez toujours content de nous avoir. Mais grâce à un sponsor, on peut déjà payer la technique, on peut payer le studio. Les frais de tournage, la location du studio, la location d'Hubert, hein, parce que ça, c'est... Là, il y a combien? 1, 2, 3, il y a 5 caméras déjà. Ouais. Voilà, c'est...
voilà, on fait une émission modeste, mais en même temps qui ouais, elle est là pour durer, c'est ça. Voilà, qui ambitionne de rester. C'est aussi pour ça qu'on a choisi Patreon. C'est parce que Patreon, vous pouvez vous désabonner à tout moment en fait de Patreon. On espère que vous ne le ferez pas. On espère que vous nous soutiendrez, mais aussi c'est une possibilité. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de messages de soutien et aussi des gens qui me disaient j'ai pas les moyens, mais je vous... Eh bien, c'est pas grave. Parlez de Sommeil à Seine Turbo autour de vous. Mettez-le en soirée avec vos potes. Genre, ouais. Non, les gars. Avatar 2. Non, ce soir, c'est Sommeil à Seine Turbo. Ça dure aussi longtemps. Non. C'est le but. C'est pas en 3D, sauf Hubert dans sa petite cabine. Là, mais... Hubert Cameron. On va revenir à Angoulême. Angoulême, c'était une année assez particulière parce qu'il y avait la réception d'Hajime Isayama, donc l'auteur. C'était le grand retour des Japonais. Ouais. Qui sortaient plus de chez eux depuis 3 ans. Donc, ça fait plaisir. On j'ai vu que le public avait l'obligation de porter des masques, contrairement aux auteurs. Non. Ah, c'était une recommandation. Non, ce n'est pas une recommandation. C'est que si tu voulais des interactions avec certains auteurs japonais, on demandait, par exemple, pour Junji Ito, et il y avait une demande express de garder le masque, mais c'est seulement pour Junji Ito. Isayama, je ne sais même pas s'il était accessible, en fait, parce que... il est venu dans des conditions un peu particulières. Il était un peu, il est un peu pas retranché, mais tu vois, il y avait très peu de médias qui y avaient accès. Moi, je me place du point de vue journalistique. J'ai vu tous mes amis journalistes se faire débouter de toute interview. Il a fait Léa Salamé, comme tu dis. Il a fait Léa Salamé. J'ai écouté l'interview d'ailleurs, que j'ai trouvé tout à fait correct. Tout le monde avait peur et tout. Ouais, finalement, c'était bien préparé. Je ne sais pas si elle a lu tous les volumes ou si elle a squatté binge Netflix pour avoir. Je sais pas, elle a parlé saisons. De la fin et tout, donc elle avait l'air à peu près carré. Je pense que dans son équipe, il y a des gens qui aiment bien le manga et qui l'ont briefé. Ouais. Non, mais franchement, ce n'est pas le truc le plus désastreux qu'on ait entendu pour avoir été témoin de Uderzo. Uderzo et PPDA qui reçoivent leur concurrent. C'est comme ça qu'il avait presque accepté. Gonagai à l'époque, dans une émission de télé en lui disant. Toujours visible sur YouTube, cette séquence vraiment bizarre. Où ils lui font. Uderzo, il lui fait moi, j'aime pas vos personnages. Ah, je m'en souviendrai toute ma vie, mon gars, j'avais 10 ans, je me disais quoi, Goldorak. En lui montrant un espèce de tyrannosaure robot qui est pas du tout Gonagai, en plus. Mais il y a vraiment une évolution, c'est-à-dire, oui, il y a une forme de respect. Déjà, on avait vu un peu les soubresauts avec Rumiko Takahashi qui était devenu lauréat d'Angoulême. Mais en plus, là, donc il y a Isayama, donc c'est vraiment une œuvre populaire et actuelle. Et d'ailleurs, c'était présenté un peu à part parce qu'il fallait payer en plus du billet. Ça, c'est très, très rare. Je crois que c'est la première fois qu'ils font ça à Angoulême. Donc, et les planches choisies étaient très action, très, très, très action. Genre, il n'y avait pas. Alors que moi, je sais que, pour ce que je sais, j'ai quasiment tout vu, mais. Ça parle beaucoup quand même, c'est quand même une très verbeux comme série et il y a très très peu de planches verbeuses. C'est, ils ont vraiment pris le truc sans gras, que des Kyojin qui se tapent et tout ça. C'est un peu particulier, il n'y a pas de couverture, c'est vraiment du noir et blanc. Mais ça fait plaisir de voir des originaux parce que les Japonais en général n'ont pas la soif des originaux et Greg l'a vécu comme moi. Il y a eu vraiment un twist à mon avis, c'est au moment de l'Expo Jump. C'est l'Expo Jump incroyable où tout d'un coup... les Japonais qui montent jamais d'originaux, là tout d'un coup ils se sont dit ah en fait on peut montrer ça en dans des musées en fait. C'était pas des gros pros, c'était vraiment des originaux alors. Ouais. Ok. Et là pour Isayama en tout cas et donc il y avait plusieurs expositions du coup. Il y avait Isayama, il y avait Junji Ito, il y avait Ikegami aussi. Ikegami. Donc Ikegami l'auteur. Ikegami ou Ikegami. 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 L'auteur de Crying Freeman et dessinateur. Dessinateur, oui, le co-créateur donc. De Craig Freeman, mais aussi il a Sanctuary. Fait Sanctuary, il a fait Spider-Man, il a fait du Spider-Man. Mm. Il y avait des planches de Spider-Man. Ouais. Oui, il y avait 3 planches, dont une couve en couleur, et ça c'est vraiment assez appréciable. Mais c'est assez intéressant parce que c'est le manga, mais sous le prisme très adulte. Mm. C'est-à-dire, on a quand même des séries qui s'adressent pas à des enfants. On reconnaît que c'est un truc un peu particulier, même pour Ikigami, c'était présenté presque sous la forme de. On s'excuse, c'est quand même un truc très, 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 très c'est masculin, c'est des yakuza qui pleurent et c'est un peu des grands mecs fragiles et tout. Oh, c'est la virilité. Ouais, c'est la virilité assez des années 80-90, assez marquée, mais c'est magnifique. C'est vraiment un travail d'un grand maître et c'était bien qu'il. Crying Freeman, que j'avais découvert dans Kamea Magazine à l'époque, vous vous souvenez, 95. Premier magazine de prépublication de Glénat. Premier magazine de prépub de Glénat, ouais, 94. Avec Craig Freeman en vedette.
Et Spriggan aussi. Spriggan, et il y en avait un troisième, je ne sais plus ce que c'était. Ça devait être Dirty Pair, mais voilà, ça n'avait pas... Non, ce n'était pas Dirty Pair, c'était un autre. Genre Apple Seed. C'était... Non, ce n'était pas Apple Seed, mais c'était, un... c'était peut-être Orion. Non, je suis persuadé que c'était Dirty Pair. Hein. Ah bon? Ouais. Mais serait... c'était pas forcément Dirty Pair. C'était intéressant de voir. Et c'était de la prépu alors. Parce ouais, que c'était moi, de la prépublication parce qu'ensuite c'était ouais. publié en volume. Ouais. Mm. C'était une vraie tentative de prépu. Hein. Bah, on voulait faire le jump français. Bah, ouais. Manga Player derrière a suivi hein, et ça a plutôt ouais. bien marché. Rampu. Ouais. Ouais. Le premier manga du dessinateur de Death Note. C'est vrai. C'est, c'est vrai. Ouf. Ouais. Ouais, non, il y avait beaucoup de chemin parcouru et ça se voit dans Angoulême que après des années. Des années pas forcément ouf ou des prix partagés avec des Japonais enfin genre et ben là tout d'un coup il y a une vraie reconnaissance, il y a une vraie changement d'orientation, ça se voit aussi à la gueule du marché, c'est-à-dire que tu peux pas faire la même chose avec les comics là où les comics ça vend tout simplement moins que les mangas, les mangas sont mais faut pas pour l'avoir vécu et l'avoir analysé. On a quand même une aile manga qui se trouve tout en bas. Et très, ah, toujours très, encore toujours ouais, encore. C'est toujours, toujours ah ouais, en part. Ouais, toujours, ah ouais. toujours un peu. Oui, les mangas sont en bas, la BD et les comics sont en haut, et les indés sont tout en haut. Ouais. D'accord. En général. Ok. Et je pense qu'à terme, il faudra imaginer un rééquilibrage ou une nouvelle forme, parce que... Le rééquilibrage, il n'y a pas besoin d'être rééquilibré. Mmh. Non, mais rééquilibré... Mais ce que je veux dire, c'est que pour les organisateurs, c'est bien comme ça. Mmh. C'est-à-dire qu'on fait la place au manga... Mmh. Mais on mélange pas. Ouais. Mmh. Les œuvres, par contre, sont mises dans des. Par exemple, pour Ikigami, elle est au musée d'Angoulême. Mais par contre, c'est assez particulier. Mais ça vaut vraiment le coup de visiter. Hein. Vraiment, si vous aimez les mangas, c'est vraiment les expos à voir. Malheureusement, au moment où vous nous entendrez, l'attaque des Titans, ça dure que 4 jours. Et en plus, il fallait un ticket pour rentrer. Enfin, vraiment, il y avait la queue. Même avec un ticket, il y avait la queue pour rentrer. Bon, satisfait de votre trajet, au-delà du fait d'avoir percuté une grosse bête sur les rails. C'était fatigant, mais... bah oui. Moi, je reviens juste ce matin. Hein. Je suis revenu ouais. pour ça. Tu m'as dit, soumets à scène turbo vendredi. Je suis ah, là. Bah, hein. C'est mieux. C'est sûr que, Greg, toi, ça t'a fait une sacrée semaine encore. Hein. Bah, le Canada, puis Angoulême, ouais, c'est un peu dur. on va dormir ce week-end. T'es éditeur, voilà. Pour ceux qui ne le sauraient pas, tu es également éditeur de manga en voilà, collection tout à fait. En France. Donc forcément, quand tu vas à Angoulême, tu ne fais pas... Voilà, ah non, moi, malheureusement, je ne me suis pas trop baladé. Ouais. C'était surtout des réunions commerciales, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de distributeurs qui organisent justement des séminaires commerciaux à l'occasion d'Angoulême. Donc, c'est l'occasion d'inviter les libraires, parce que la plupart des libraires, surtout les SP BD, sont fans de BD, manga, comics, etc. Donc, ce sont des pratiques commerciales qui sont assez courantes, où tu invites tes meilleurs clients à un séminaire. Donc, tu les invites à Angoulême, tu leur payes l'hôtel, la nourriture, et puis après... Bah, tu loues une grande salle de réunion et puis il y a un speed dating avec tous les éditeurs de BD, de manga. Donc, tu arrives, tu as un quart d'heure pour présenter je sais pas, une quarantaine, une centaine de bouquins. Wow. Et c'était intéressant parce que j'ai déjeuné avec des libraires ensuite et je leur ai demandé, mais ce genre de speed dating, qu'est-ce que vous en retenez ? Ils disent, bah, en fait, nous, on prend des petites notes. Donc, tu notes juste un titre et puis tu mets un cœur ou un smiley à côté si tu as aimé ou pas aimé. Et ils disent, en général... même si ça va très vite et que tu passes d'un éditeur à l'autre rapidement, plusieurs mois plus tard, quand le représentant de commerce passe et te présente le bouquin officiellement, on va dire, ça te revient. Tu fais, ah oui, on en a parlé à Angoulême. Donc, c'est pas inutile. Mais c'est vrai que t'as l'impression, c'est l'abattage, quoi. C'est-à-dire que moi, j'arrive dans une grande salle de cinéma, donc la plus grande salle de cinéma d'Angoulême, qui est privatisée. Voilà, j'arrive, la salle est pleine, évidemment, pleine de libraires. J'arrive et donc t'as... Akata, donc, qui est le label manga de Albin Michel, qui finit sa présentation. Hop, j'arrive, bonjour, je suis Grégoire Hello des éditions Kurokawa, je vous parle de machin. Après, hop, 5 minutes pour les mangas, 5 minutes pour les comics, 5 minutes pour les webtoons. Et après, pouf, derrière, t'as Michel Lafon qui enchaîne. Et puis après, ils vont manger. Et l'après-midi, ils ont d'autres éditeurs. Ça ne s'arrête jamais. Donc oui, ils ont un gros carnet, ils prennent des notes. Et ça leur permet aussi de prévoir leur année. Oui. Tu vois, quand tu as des très très gros titres qui se vendent à des chiffres incroyables, comme par exemple Spy Family chez moi, mais ou Black & Mortimer en BD, ou le prochain comics à 4,90€, tout ça, si tu peux leur dire 6-8 mois à l'avance quand sortira le prochain tome, ben ils peuvent se préparer. Et ils peuvent, parce qu'il leur faut du temps aussi. Libraire, c'est un métier où tu es très occupé, donc...
Parce que les gens se disent « Ah, oh, mais les libraires, c'est des gens qui lisent tout le temps. » Ben non, en fait, les libraires, leur métier, l'immense majorité de leur temps de travail, c'est on ouvre des cartons, on sort des livres, on les met dans le rayon, on prend des livres qu'ils n'ont pas, on les remet dans des cartons et on les renvoie. C'est vraiment beaucoup de manutention, en fait, le métier de libraire. Les mangas, hein. Et bah non, justement, les mangas, t'as un taux de retour très faible. Ah oui, non, tu les déballes plus que tu les remballes. Tu déballes beaucoup. Oui, mais et puis il y a des nouveautés chaque semaine. Ouais. Enfin, c'est très compliqué. Ouais. Donc, les libraires, ils ont comment dire, énormément de travail à faire au quotidien. Et derrière, il faut en plus qu'ils fassent des animations pour leur clientèle. Donc, si tu peux les prévenir à l'avance, ils peuvent se dire, OK, donc là, on est en janvier, mais il faut que je... J'ai jusqu'en juillet pour m'organiser une après-midi spéciale manga ou une après-midi spéciale Superman. Voilà. Et c'est des rendez-vous aussi qui sont quand même assez importants pour eux, dans la mesure où si tu prépares bien ton planning de l'année, les mecs en janvier savent déjà qu'ils ont des temps forts en mars, en août, en machin. Ça leur permet de faire une meilleure compta, ça leur permet de prévoir leurs commandes à l'avance. Parce que par exemple, les libraires, ils sont le nez dans le guidon. On est en janvier, mais ils savent pas qu'il y a un de mes mangas qui va avoir un animé en avril. Donc du coup, ils disent « Ah, vite, faut que je recommande pour qu'en avril, je tombe pas en rupture de stock, parce qu'on sait que les animés, ça fait vendre les mangas. » Donc c'est des rendez-vous qui sont assez importants, mais c'est épuisant. Ouais. Tu sais que pour les gens qui te connaissent pas, et quand je parle de Soumet Saint-Urbeau, je dis « Greg, c'est Monsieur Spy Family. » Et tous les enfants... tous les ados et tout, et même les familles, parce que c'est vraiment genre, il y a un truc transversal avec Spy Family. Quel carton, quoi. On était là avec Pouillon, on était dans un fameux magasin de vêtements, et on était là genre, oh, Spy Family, et on se rend compte que quand même, il y a une espèce de vague de fond. Un magasin de vêtements japonais. De marque japonaise. Voilà, et tant qu'ils ne sponsorisent pas, on les mentionne. Ah bah non, il faut sponsoriser maintenant. Bref, donc événement assez fatigant. Tiens, j'en profite. Fatigant pour moi, amusant pour Daniel. Oui. Très fatigant pour moi. Vraiment, j'ai couru, j'ai fait toutes les expos, hein, y en avait beaucoup. Ouais. Bon, du coup, on avait prévu de faire des recos, mais on s'aperçoit qu'on n'a pas eu... Non, moi j'en ai tous... eu. Ah, t'as des recos à faire. La reco Japon, la reco pop culture, hors jeux vidéo. Et tu sais quoi, je me suis intéressé à la vague de fond. Encore une vague de fond de Netflix, en fait, surtout en décembre et janvier, Netflix et aussi Amazon. Alors, putain de temps, on avait une émission, si jamais on avait eu une émission avant, c'est avec ça que j'aurais bien voulu boucler. Je voulais parler de Kamen Rider Black Sun, qui a cartonné dans nos cœurs. Je sais pas si ça a fait une énorme audience dans le monde, mais en tout cas, il y avait Kamen Rider Black Sun qui est une série remake. Et du célèbre Tokusatsu. Kamen Rider Black. Voilà. Et c'est une version très, très modernisée et très actuelle. Et vraiment, ça vaut le coup que vous regardiez. Un peu... Ah, par contre, c'est violent. C'est une série très violente. Ouais, hardcore. Ah oui, c'est pas Bioman. Faut pas le regarder avec les enfants. Ouais, il y a des bras arrachés et tout ça. Et c'est très politique. Je pense que c'est une des œuvres les plus politiques que j'ai jamais vues au Japon, pour te dire. Il y a un petit côté Red Army Unity qui est un documentaire qui parle de la révolte communiste de fin des années 60, début 70. Et ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment... Ouais, j'ai l'impression que surtout qu'il n'y a pas de surjeu habituel. Non, que c'est plutôt clean par rapport à... C'est très clean. Et comme tu vois, le mec qui joue Kamen Rider, c'est Hidetoshi Nishijima. Et lui, il se fait une carrière assez incroyable. Il était dans le dernier Ultraman, figure-toi, qui était diffusé de manière unique au Paris International Film Festival de films fantastiques. Et le PIF. Et du coup, il a joué dans Ultraman, mais surtout, il a joué juste avant dans un film qui a été oscarisé, puisqu'il a joué dans Drive My Car, donc qui est une histoire de taxi driver romantique que je n'ai pas vu parce que j'ai eu un peu peur des 3 heures et je me suis dit voilà, c'est un film de festival, et tout le monde me confirme que c'est bien, même mon camarade Stéphane Boulet, que tu connais, connais peut-être, avec qui tu as peut-être travaillé dans... J'ai pratiqué par le passé, ouais. Dans une autre vie. Et donc bon, il y avait Kamen Rider avec lequel je voulais m'arrêter en 2022, mais en 2023 il y a eu quand même des choses intéressantes. Il y a une série qui s'appelle First Love qui nous a été recommandée par un ami commun qui s'appelle Fabien. On nomme les amis communs qui a non, celui-là on peut le nommer de Robé parce qu'il nous a beaucoup aidé. Oui, c'est vrai. Il nous a beaucoup aidé pour le Sumasen Turbo. Et First Love est une série adaptée des chansons de Utada Hikaru, que tu connais bien sûr. Mm-hmm. Ah bah c'est la chanteuse de
Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Et une grande gameuse, figurez-vous, puisque elle est. Elle est imbattable à Tetris. Elle est championne de Tetris. Elle met ses lunettes. Mm. C'est plus la même fille. Non. Elle devient une espèce de machine à tuer. Et alors, First Love, c'est une histoire de romantique, mais sur plusieurs générations, puisque en fait. Ils se sont rencontrés quand ils sont jeunes. C'est vraiment le drama type, mais il y a beaucoup moins de surjeu, ce que tu appelais le surjeu, Pouillot. C'est assez intéressant, en fait, de la manière dont c'est représenté. Et puis, en fait, t'es assez pris, en fait. C'est vraiment très, très léger. C'est un drama japonais type, mais bien fait. Et vraiment, je vous recommande. Moi, j'étais happé au début. Au début, c'était ma série pour m'endormir. Et en fait, non, en fait, pas du tout. Je me suis éclaté à regarder ça. Donc, et ça, c'est vraiment, il y a une vraie dynamique de Netflix de mettre en avant des séries japonaises, de les produire, et je pense que c'est vraiment que le début. C'est un gros marché, le Japon. Ah bah ouais, et je pense qu'il y a aussi un truc de Japan Power qui était assez diminué ces dernières années. Je dis le J-pop face à la K-pop, mais aussi le succès de ces dernières années, c'est Squid Game, quoi. Mm. Et donc, du coup, le Japon était un peu en retrait par rapport à tout ça. Et là, tu sens qu'il y a vraiment une espèce de retour, un besoin de qualité. C'est vraiment une série de qualité, quoi. Et j'en finis avec une qui s'appelle Makanai dans la cuisine des Maiko. Et ça, alors, c'est carrément une série qui parle d'apprenti geisha. Il y en a une il y en a deux qui sont apprenti geisha. C'est des petites... au lieu de rentrer au lycée, elles sont apprenti Maiko ou apprenti geisha. Apprenti Maiko. Il faut faire le distinguo. Et il y en a une qui n'est pas suffisamment douée pour devenir geisha, enfin pour devenir Maiko. Et du coup, elle se met à faire la cuisine. Et alors attention, c'est une série sans aucune forme d'antagonisme. Il n'y a pas de méchant. Il n'y a pas de Madame Mangin, comme on dit dans Princesse Sarah. C'est vraiment c'est très très bienveillant et elle se redécouvre dans la cuisine, en fait. Et il y a un vrai, alors c'est comme les films de Miyazaki. Si vous aimez la séquence, il y a un animal qui parle à un moment. Non. Non, mais si vous aimez les séquences où ça fait de la bouffe japonaise et qu'ensuite c'est servi avec les gens se régalent, vous allez adorer. C'est vraiment vraiment du feel good movie, feel good série. Et regarde-moi ça. Regarde ces moments. Oui. Ah ouais. Oui, bah surtout à cette heure-là, ouais. À l'heure où l'on tourne. Pauvre Hubert. C'est dur. Pauvre Hubert qui mangerait c'est n'importe rude. Quoi. Ouais. J'ai oublié de lui acheter des bonbons aujourd'hui, je suis désolé. Ah. Et voilà, regarde-moi. Ah oui, non, mais Hubert, arrête, c'est trop dur. Cette série est trop difficile, elle est insoutenable. Non, mais c'est... Greg, rapidement... Juste pour finir, c'est réalisé par Hirokazu Koreeda, qui a gagné la Palme d'Or il y a 2-3 ans, et pour Mabiki Kazoku, donc une affaire de famille. Ouais. Et il fait des choses d'habitude assez intimistes, et c'est vraiment un des meilleurs réalisateurs japonais vraiment en ce moment, et ça vaut le coup d'être vu. Donc ça, c'est encore sur Netflix, donc si vous avez encore des comptes multiples, allez-y, c'est le moment. Greg, avant qu'on embraye, tu as évoqué la différence entre geisha et Maiko. Est-ce que tu peux nous la résumer rapidement, pour ceux qui l'ignoreraient encore? Rapidement, on évite aujourd'hui de parler de geisha, tout simplement parce que, pour être poli, il y a une espèce de forme de prostitution soft dans la geisha, alors que la Maiko va juste être une hôtesse qui fait partie, certes, d'un établissement avec des choses assez codifiées, mais il n'y aura pas derrière de... toutes ces histoires de sponsors, le client qui revient, qui paye pour avoir la fille, etc. Donc, c'est important de le préciser aujourd'hui. À part dans des endroits très spéciaux, très chers, et qui officiellement n'existent pas, d'ailleurs, les geishas, normalement, il n'y en a plus. C'est très codifié. Elles sont les maîtresses de musique et de l'art, et d'une espèce de forme de tradition. Elles connaissent autant la cérémonie du thé que la danse. Geisha, enfin, de toute façon, geisha, l'étymologie du mot, c'est vraiment la personne technique, mais technique de l'art. Mmh. Voilà, donc c'est une personne. Moi, j'avais une copine qui était geisha. Elle a arrêté parce qu'elle a épousé un Américain, donc ça c'était pas possible. Mais elle a fait tous les examens et tout. Elle jouait du koto, elle dansait, elle faisait le thé, elle savait tout faire, quoi. Et c'est sa grand-mère qui était elle-même une geisha qui lui avait tout appris. Et bon, bah, évidemment, elle est sortie avec un Américain qui jouait à FF11. Donc c'est voilà. Ce plot twist incroyable. Voilà. Donc, c'était, voilà, c'est pas possible. Tu vois, c'est, elle est,
souillé par l'homme blanc. Stop, on s'arrête là. Elle jouait du koto, elle faisait des trucs. Donc, des fois, elle dépannait, elle allait faire la maïko à droite à gauche. Et les gens l'appréciaient énormément. Elle m'a raconté des histoires incroyables où elle servait du thé au patron de la JR, la Japan Railways. Le mec, enfin, des histoires de fous. Le mec, pour récompenser les gens, leur distribuait, tu sais, des cartes prépayées de trains chargés avec 10 000, 20 000, 30 000 yens dessus. Qu'est-ce qu'il fait pour soumettre ma scène turbo au moment Est-ce qu'elle a encore son contact? Est-ce qu'on sait danser en kimono? C'est surtout ça. On peut danser dans n'importe quel tenue, il n'y a pas de problème. C'est très bien, non? C'est ça. Et juste un truc, c'est que c'est filmé donc dans les rues de Gihon. Soumettre ma scène turbo? Non. Peut-être. La série, bon, d'ailleurs, qui est tirée d'un manga aussi. Mais c'est filmé dans les rues de Gihon. Mais par contre, tu vois que il y a quand même la frontière entre le réalisme et le cinéma, parce que c'est presque documentaire, mais en fait, ça reste une fiction. C'est que les rues sont vides. Alors qu'aujourd'hui, si tu vas à Gihon, c'est plein de touristes. Alors aujourd'hui, ça va. Mais dans deux mois, ça sera chaud, je pense. Ouais. Oui, il fallait en profiter maintenant. Là, c'était fini. Eh bien, merci messieurs. On va attaquer le premier gros dossier, le premier Futomaki de Sumimasen Turbo. On va faire une petite pause. On va parler jeux vidéo après. On va parler de nos attentes 2023. Et Dieu sait si elles sont chargées. Bah oui, je vous l'ai dit, on s'est dit thématique évidente, nos attentes pour 2023, puisque ça va être un peu le fil rouge toutes ces années pour Sumimasen Turbo, les jeux qu'on va voir passer, les jeux qu'on va essayer, les jeux qu'on va apprécier ou pas, parce que voilà, on garde comme la distance critique, c'est important. Bref, j'ai essayé de résumer ça. Alors, il y en a une liste, une cargaison. Oh, j'ai pas fait de PowerPoint, malheureusement, parce que j'ai pas eu le temps, mais l'esprit est là. Et surtout, on va se poser les bonnes questions, parce que nous, on est là pour se poser des questions très importantes. Et est-ce que, selon vous, 2023, un petit peu comme 2022, comme on s'était arrêté lors de notre première émission, ça va être à nouveau l'année du JRPG? Alors, on a quoi de prévu? Je vous ai fait une liste comme le bras. Tu me fais, il y a quoi de prévu? Il y a le mastodonte qui arrive. Ça y est, ça fait tellement longtemps qu'on a attendu. Même deux mastodontes, en fait. Mais oui, on va commencer par Final Fantasy XVI. 22 juin 2023, on s'était lancé dans un petit jeu des pronostics du temps de notre gloire passée. Et ça tombe sur juin 2023, juste à temps, le premier jour, juste à temps après la fête de la musique, pouf, tu balances ton FF16. Bon, je vous pose une question un petit peu rituelle, mais est-ce que vous continuez d'y croire? Est-ce que ça va être le FF révolutionnaire, ou en tout cas le FF qui est l'agnac, celui qu'on attend après ce qu'on peut qualifier quand même de faux pas avec Final Fantasy XV? Alors, j'ai pas le droit de trop en dire, mais je pense que ça va être le FF révolutionnaire, mais il va pas révolutionner ce qu'on attend. T'as vu un peu là, je suis quoi? Non, en fait, vous en dites trop ou pas? C'est, je sais pas. Non, mais j'ai discuté avec pas mal de gens qui ont participé au jeu et effectivement la direction qui est prise c'est pas forcément une volonté, tu vois, il y a pas un cahier des charges genre il faut absolument que le jeu soit comme ça et tout, mais aujourd'hui l'Heroic Fantasy on dirait pas comme ça, mais les Japonais ont été énormément influencés par Game of Thrones et par justement l'Heroic Fantasy très cynique. Très sombre, alors que jusqu'à présent il y avait un côté sans aller jusqu'à Walt Disney, Cendrillon, la fantasy c'était souvent vu sous un prisme joyeux et propre au Japon, et aujourd'hui on se dit ah non, la fantasy c'est pour les adultes parce que il y avait des intrigues politiques, enfin entre Daedalus Chronicles et Triangle Strategy on sentait déjà qu'il y avait un petit changement, ne serait-ce qu'au sein de chez Square Enix, même Octopath Octopath annonçait déjà ça puisqu'il y avait des histoires très sérieuses. Et quand on dit histoires sérieuses de dark fantasy, en fait, parce que les Japonais, à part Berserk qui est l'œuvre la plus importante de dark fantasy du Japon, et Dark Souls par extension, c'est pas leur spécialité. C'est vraiment il y a une vraie demande de l'Occident au Japon, genre faites-nous des trucs de dark fantasy, et ça se sent, et c'est un peu la résultante de ça. Paradoxalement, c'était leur spécialité dans les années 80, 90. On a eu toutes les OAV, les Lemnir, les trucs comme ça. Bastard dans une certaine mesure. Bastard. Et puis après, ils se sont radoucis parce que justement Dragon Quest et ensuite Final Fantasy ont amené certaines naïvetés à la fantasy, puisque forcément les consoles étant limitées à l'époque,
tu racontais les choses de manière assez lapidaire, donc ça devenait très naïf, très, très unidimensionnel. Et puis, c'était des univers très propres, très simples, simplistes. Et là, il y a une volonté, effectivement, de retourner à quelque chose de plus sombre, de méchant, de plus agressif. Et je pense qu'il va en surprendre plus d'un. Je suis surpris. Disons qu'il sera plus final que fantasy. Qu'on ait assez peu vu de détails. Alors, du gameplay, même si on connaît son orientation très action, puisqu'il y a l'un des bâtisseurs du gameplay de Devil May Cry qui est derrière. Je vais en venir. Ouais. Ta question, c'est est-ce que tu y crois, et je vais dire comme Greg. D'après les gens à qui j'ai parlé, parce que moi aussi, tu parles aux gens. Oui, je parle aux amis, et j'ai parlé aux nombreuses personnes qui ont travaillé sur le jeu. Mais en fait, si tu me demandes mon avis là, de ce qu'on a vu, je crois en FF16, je crois pas en ce qui a été montré. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 trailers, 4 trailers, je sais plus où on en est, combien. 4 heures, il n'y a pas d'éléments de gameplay, on voit pas de map. Très peu, on a vu un peu d'interface, on a vu un peu de combos, un peu de choses comme ça. On sait qu'on peut caresser un chien, tu vois, par exemple, mais ouais. On sait pas plus, quoi, tu vois, genre, il y a vraiment des détails qui manquent. Pour l'instant, les combats, on sait qu'il y a des gros chiffres qui apparaissent. Ouais, on parle quand même une orientation, voilà. On connaît l'orientation de FF16, qui est très action, un seul personnage vraiment incarné et d'autres qui viennent en soutien. Je crois beaucoup plus au jeu que ce qu'ils en ont montré. C'est-à-dire, ce qu'ils ont montré, je trouve ça assez limité. C'est des dialogues un peu punchline, monté cut. Enfin, c'est vraiment les trailers que j'aime pas, en fait. En fait, les trailers qui racontent une histoire, mais sans t'en raconter une, mais avec des dialogues qui se croient importants, alors qu'en fait, je suis sûr qu'ils sont bien. Mais c'est-à-dire que sorti de leur contexte, c'est pas super. C'est un trailer qui a été fait pour les Américains. Ouais. Enfin, 4 trailers qui ont été faits vraiment pour les Américains. Et alors que moi j'aime bien les trailers où il y a du gameplay, j'aime bien les trailers où on voit les persos bouger sur une carte. T'aimes bien les trailers à la Nintendo où on te montre chaque mode de jeu un par un, on t'explique alors là tu vas débloquer ton truc. Non mais il y a une manière plus organique de le faire. Par exemple, les trailers à la Nintendo, les trailers de Xenoblade, ils étaient super. Il y avait de l'histoire, il y avait du gameplay, il y avait des combats et t'avais envie. Là, je sais pas si j'ai envie des combats, en fait. J'ai envie de jouer à FF16, j'ai envie de voir l'histoire, mais je sais pas si j'ai envie. Le jeu sort au mois de juin, tu vas avoir forcément la traditionnelle séance de preview à J-15, etc. Il y aura peut-être un épisode Prologus. Peut-être qu'ils vont faire une série animée spéciale pour introduire. Kingslave FF16, ce genre de choses. C'était le mieux de FF15, hein, de toute façon. Donc quoi qu'il arrive, ce serait plutôt une bonne chose. C'est pas le jeu en version SD le mieux ? C'est pas le jeu de pêche ? Le jeu de pêche en VR. Mais voilà, Final Fantasy XVI sera l'un des grands temps forts. En plus, il arrive relativement tôt dans l'année. Alors, il arrive tôt, mais en même temps, il arrive ce que j'appelle Omaha Beach, quoi. C'est-à-dire, c'est un terrain miné de jeux vidéo entre. 2023 est un terrain miné tout court. Non, mais là, entre mai et juin, je sais pas ce qu'ils sont passés le mot, mais. Ils sont pas au courant qu'il y a Zelda juste avant. Il y a encore des jeux qui sont annoncés à l'heure où on parle, quoi. Ouais. Et il y a Diablo 4 qui est quand même un peu pas concurrent, mais un petit peu quand même dans l'univers Dark Fantasy. Ça va être compliqué. Ça va être pas compliqué pour Final Fantasy qui va faire son petit succès, mais je veux dire c'est très concurrentiel, et sans parler de Street. On va en parler, bien sûr. Tu es en train de me savonner la planche. Mais t'inquiète. On va retomber sur notre. J'y crois toujours. Il y a un autre FF qui va sortir. Bah, alors, lui, c'est prévu pour l'hiver prochain. C'est Final Fantasy VII Rebirth. Ça veut dire c'est remake. Mars de l'année prochaine. C'est vrai en fait. Que ça va faire déjà 3 ans que FF7 Remake est sorti. Ouais, c'est ma boule. Le temps est passé tellement vite. Pendant le confinement. FF7 Rebirth, dont on n'a pas vu grand chose là encore. Si, cette espèce de petite séquence traditionnelle à l'arrivée du. Dans le village, quand Sephiroth et Cloud sont ensemble. Et puis on a vraiment eu l'occasion de se remettre bien dans l'histoire avec Crisis Core. Oui, auquel je n'ai pas encore joué, alors qu'il est malheureusement. Étonnant. Mais donc FF7 Rebirth, la principale question sera de savoir quel degré d'ouverture ils vont accorder cette fois-ci au jeu. Est-ce qu'on sera quand même plus dans une démarche nouvelle génération ? Il y a 3 ans, ils avaient prévu un grand open world et tout. C'est toi. Leurs ambitions... à la baisse. Tu penses qu'on sera dans le même tonneau que le jeu qui est sorti à la base sur PS4 ouais. Non, je pense que tu seras un peu moins guidé, mais ouais. tu,
pas sûr qu'on te laisse te balader sur un continent. Je pense pas qu'ils aient modélisé un continent entier. Je pense que ça va être un peu adjacent de ce qu'il y a eu dans le premier, c'est-à-dire il y aura un gros hub et des petites missions. Enfin, je veux dire, ils vont pas renouveler la. Ça fonctionnait bien. Ah, hein. Je trouvais que c'était assez chouette, à part un ou deux. C'était quoi le chapitre 9 là, où tu traversais une usine toute pourrie avec. Il y a eu quelques chapitres avec les plateformes qui se déplacent d'un côté comme de l'autre. Ouais, sans parler de la fin. Tiens, c'est Hubert. Happening. Hop là. Ah, je suis trop loin. Non, il n'y a pas de mal. Salut Hubert. Je comprends pas. Et tu dis cet hiver. C'est cet hiver. Cet hiver, donc ça veut tout et rien dire. Ça veut dire entre décembre et mars 2024. Ça va être mars 2024, c'est sûr. Ouais. Bah, ils vont pas sortir de l'année. CrysisCore, ils l'ont sorti en décembre. S'ils peuvent avoir deux FF dans le même exercice fiscal, c'est pas mal. Oui. Oui, ça permettra les actionnaires seront contents. Ça permettra d'arrondir les fins de mois pour Square Enix. Square Enix qui va nous occuper d'ailleurs, qui nous occupe déjà peut-être avec Forspoken. Bon, ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans l'émission suivante, dans l'émission numéro 2. Mais qui va également sortir dans un mois, et ça arrive très très vite, c'est Octopath Traveler 2. Putain, c'est vrai. Ici, on était assez mitigés sur Octopath Traveler. Il y avait les pour, les contre, et on était globalement assez peu satisfaits des interactions, notamment entre les différents personnages. Mais il y avait des bonnes intentions. Hein. C'est le point qu'ils vont essayer de régler avec donc toujours ces graphismes HD 2D qui sont très classe. Alors les interactions ne seront pas entre les 8 personnages, hein, c'est ça qui donne le nom au jeu Octopath, donc c'est 8 chemins. Ce sera entre différents duos. Histoire de limiter quand même le nombre d'interactions possibles et le nombre, ils vont quand même un petit peu réduire. Et c'est pour ça que ça fonctionne un petit peu sur le principe de binôme. Moi, j'espère surtout qu'ils vont faire un petit polish sur ce qui concerne le système de combat. Est-ce que le système de combat, c'est il y a deux systèmes de combat à la mode. Il y a le stagger, donc où on tape et ça affaiblit l'adversaire jusqu'à un certain point. Et là, c'est le système du stock des tours. Ouais. Il y a ça aussi avec le système de break. Hein, ça combine un petit peu les deux. Oui, ça combine un peu les deux. Mais c'est surtout le système de tu gardes des tours qui fait le brave default. Et du coup, ça donne des combats très 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 longs parfois pour des péons. C'est aussi un système assez populaire pour les gens qui aiment faire du custom, en fait. C'est bien parce que ça t'offre la liberté de breaker le jeu, donc de trouver toutes les associations de classes et de combinaisons différentes. Tu brises le jeu, littéralement. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il y a écrit break. Mais d'un autre côté, comme tu le disais, ça rendait les combats de mobs beaucoup trop longs pour ce qu'ils étaient, alors que ça ne fait qu'enrichir les combats de boss qui, eux, pour le coup, je me souviens de combats de boss qui pouvaient durer 20 minutes, 25 minutes, tellement. Si t'avais pas trouvé la bonne combinaison. T'avais pas trouvé la bonne combinaison. Et c'est ce qui rend le jeu très intéressant. C'est la team Asano, donc ça va quand même être. On sait que déjà qu'il y aura une bonne musique. Ouais, ça c'est la garantie, c'est que donc. Son nom m'échappe. La direction artistique sera top. Noriyuki. Asakura. Non, Asakura. Bon, bref. C'est pas Asakura, puisque Asakura c'est le spécialiste samouraï. Ouais. Oh putain, bon, c'est pas grave. Et surtout que on le rajoutera au montage, c'est ça qui est pratique. Tu n'as que son nom à la bouche en plus. Tu sais, sur YouTube, tu peux mettre pouf, le pop, il voulait dire machin. Ah, mais c'est vrai, on peut. Ouais. On va faire ça. Beaucoup de pop correctifs. Mais en tout cas, la relève des grands compositeurs de Square Enix planche sur Octopath Traveler 2. On vit quand même une époque formidable où tous ces jeux, avant, il fallait attendre 6 mois, 1 an, parfois 2 ans, et là maintenant, ils sont dispo worldwide, quoi. Ouais, traduit en français, etc. Sans problème. C'est dingue. Hein. Donc on est ravis. C'est pas une exclu Switch, là, ce coup-ci. Je crois qu'il sort sur PlayStation, non? Le premier Octopath, il est sorti sur Switch, sur Xbox et PlayStation. Ouais, bien sûr. Mais plus tard. Avant, il était exclu Switch au début, et là, je crois qu'il. On mettra là aussi le petit tampon YouTube. C'est pratique, hein. Voilà, YouTube, ça nous permet de corriger les conneries facilement à la volée. Et du coup, les gens qui nous écoutent en podcast. Ah, les pauvres. Il suffit juste de faire Google, hein, comme tout le monde. Non, bon, quoi qu'il arrive, c'est sûr, il est garanti sur Switch, Day One, c'est évident. Square Enix qui va. C'est une gueule de jeu Switch, si t'as envie d'y jouer. Oui, dans des transports, quoi. Ouais. Square Enix qui sera également au rendez-vous peut-être avec ses jeux Dragon Quest. On ne désespère pas que Dragon Quest 3 HD 2D Remake sorte cette année. Ce serait quand même une bonne chose. Il a été moultement retardé, hein, comme Dragon Quest Treasures qui a fini par sortir en fin d'année dernière. Dragon Quest 3 HD 2D Remake, personnellement, j'attends comme le Messi, mais ça va être extraordinaire. Là, vous le voyez pas forcément. Il nous repasse donc la version Famicom, la version Super Famicom, la version mobile aussi peut-être. Et qui est le jeu qui a eu le plus de remakes de l'histoire de Dragon Quest. Hein. Je veux dire, il a été fait sur Game Boy, il a été fait sur Super Famicom, il a été fait sur à peu près toutes les plateformes possibles et imaginables et sur smartphone. Enfin, vraiment, c'est l'épisode qui a été le plus porté, avec le premier évidemment.
Et là, quand même, on attend les musiques orchestrales. Ouais, le ciel avec son rendu HD 2D un petit peu plus clair que chez Octopath Traveler. Il y a moins cette tonalité marronasse qui... C'est plus joyeux. Hein, ouais. Attention, c'est sur cette version de démo, mais on ne sait pas si la gueule du jeu à la fin. Le jeu ayant pris un retard assez important, ce qui est incroyable pour un jeu en fait. Cette vue là, tu vois en arrière, les personnages en arrière. Ça me parle, ça me fait des fils, ça me rappelle Beyond the Beyond, mais en même temps aussi ça me rappelle Golden Sun, tu vois. Breath of Fire, tous ces jeux là, mais en tout cas, c'est pas l'angle de vue classique, traditionnel de Dragon Quest 3. Dragon Quest 3, dont la particularité, c'est un petit peu d'être. Bon, déjà, la particularité scénaristique, il est au confluent de tous les scénarios des premiers Dragon Quest, mais surtout, t'as vraiment la possibilité de façonner ton équipe avec les différentes classes, et ça le rendait évidemment tu prends des classes aussi originales comme combattant, comme magicien, voilà. magicien et un autre magicien, voleur hein, quand même, et aussi un autre combattant, c'est une bonne équipe bien équilibrée, prise au hasard. Peut-être qu'ils vont un petit peu rééquilibrer tout ça, parce que si c'est l'équilibre de Dragon Quest 3 classique, il y avait quand même des petits moments un petit peu grinder à l'ancienne. Grinding, pardon. Hubert rigole parce que téléphone. Il sait très bien de quoi il parle. Et est-ce que tu donneras à ta magicienne le nom de ton chat? Quoi? J'ai pas la réponse. Est-ce que désormais, Puyo a un chat? Oui, c'est vrai, qui s'appelle Bianca. En hommage à Dragon Quest 5. Ah bah oui. Souvent le nom de ma... T'avais choisi Bianca. Souvent le nom de ma magicienne des jeux Dragon Quest, quand il y a des possibilités de créer, c'est le nom de ma compagne du moment. Ça me permet, quand je les relance, de me dire ah ouais, c'est ah ouais, je sortais avec. D'accord. Dès l'hommage. J'espère que ça va pas changer d'ici la sortie de Dragon Quest. Quelle erreur. Trop d'applications. Bon, ça se sera coupé, ce sera que dans l'arc directeur. Ah bah. J'espère que les personnes qui jouent et qui sortent avec des kiffeurs, ça soit prêt pour Dragon Quest 7. Ah oui. Il risque d'être un petit peu surpris. Dragon Quest qu'on retrouvera également avec Infinity Strash, Dragon Quest Dai no Daiboken. Ouais, alors ça. L'adaptation de Dai no Daiboken. Qui arrive un an trop tard. Ils l'ont promis. 3 ans. Ils l'ont annoncé il y a 3-4 ans. Ils l'ont annoncé à la Jump Festa, à la dernière Jump Festa de 2019. J'y étais. Ça fait longtemps. Et clairement, c'est un projet très mal engagé. Ça devait accompagner l'animé. On a la vidéo de DQ12. C'est vrai qu'il y a DQ12, mais DQ12 ne sortira pas en 2023. Mais c'est Infinity Strash, donc c'est l'adaptation de The Adventure of Dai. DQ12, je pense que avec un peu de chance, on aura quelques infos. Infinity Strash, le truc, c'est que c'est un beat'em up finalement assez classique dans la perspective avec des boss de Square Enix, avec des boss et tout ça. On a vu un petit peu de gameplay au dernier TGS, mais après, pour le reste. Mais le truc, c'est que c'est tellement injuste parce que c'est tellement une bonne série qui, en plus, a à nouveau une espèce de une vraie popularité quand même et qui aurait mérité enfin son bon RPG. Mais tu vois, moi, j'aurais été prêt à un truc en pixel art. À l'ancienne, et là Là tu t'adresses à un jeune public. Ils ont essayé de moderniser un jeune public, jeune et vieux, mais en tout cas ils essaient de draguer un public un peu plus jeune, comme c'était le principe de la et clairement le staff de, je regardais il y a pas si longtemps, le staff ils étaient encore en train d'engager des gens pour le développer, ce qui est très très mauvais signe quand même quand on est à 3 ans de développement. C'est très mal engagé, peut-être ça sera bien sur un coup de chance. Voilà, c'est ce que j'en pense aujourd'hui. Bon, si on aime l'action RPG, on aura également Is qui va revenir cette année. Normalement, généralement, les jeux Falcom sortent à la fin de l'année fiscale de Falcom, qui, si je ne m'abuse, tombe en septembre. Mmh. Et si tout va bien, en septembre 2023, on devrait accueillir Is 10, qui n'a pas encore d'extrait de gameplay, mais qui a des notes d'intention. Et la principale note d'intention, c'est que tout le système qu'ils ont crafté depuis Is 7, donc le principe des personnages interchangeables, va être modifié. On va surtout évoluer en duo cette fois-ci, avec un peu plus d'emphase sur l'action, donc moins de ce côté un petit peu... Exploration Non, mais tu sais, dans Is 10, dans Is 7, 8, 9 et Celceta, t'as assez peu de combos possibles. Je pense qu'ils vont essayer de faire en sorte que le système soit un peu plus action et un peu moins penché vers le RPG pur et dur, avec des stats qui s'affichent et ce genre de choses, où t'as l'impression un petit peu, tu tapes mais l'ennemi réagit assez peu derrière. Tu veux parler de la Dark Soulisation de Is? J'imagine le truc pour Puyo, c'est genre il y a Is, il est Dark Souls et en plus il y a les armes qui cassent. Ça serait scandaleux. Et là, putain, il y aura toujours la patate typique de Is, je pense, et les musiques. Et là, on avait le principe de l'île avec le refuge, on avait le principe de la prison avec les
espèce de, de quartier général. Là, visiblement, ton QG se sera déporté sur un navire. Encore un bateau. Encore un bateau. Est-ce qu'à un moment. Que... Il va être naufragé dès le départ. Il va être naufragé, il va perdre la mémoire. Ah, bah, je suis sur une plage, je ne sais pas où je suis. Quelle originalité. Je repars à zéro. Ouais, d'ailleurs, ça s'intègre, je crois, entre Is 2 et Is Celceta, qui est lui-même le remake de Is 4. De 3 c'est, non, faut pas. C'est, Celceta, c'est Is 4. Mais c'est comme pour Zelda, faut pas chercher la chronologie. Nafitim, au bout d'un moment, si tu cherches. Nafitim, c'était le 6. C'était le 6. Et bref, on a... j'ai hâte de voir les premiers extraits de gameplay. Chez les Nefish Team. Bienvenue chez les Ch'tis. Non, non, mais vraiment, on l'attend avec grosse impatience. Non, mais vraiment, il y a la promesse d'un super jeu, quoi. Ouais. Falcom qui a plusieurs remakes également pour accompagner l'année. Là, je ne les ai pas listés, mais on a... Donc, il y avait Trails... Azure. Ouais. Ouais. Qui revient. Qui revient. Il y a le remake de Nayuta no Kise. Enfin bon, tous les trails vont être de retour et exploités. Et on verra dans le point news, parce qu'il y a toujours un petit point news qui vous attend. Il y a d'autres remasters qui nous attendent sur Switch. Donc, je disais l'année du JRPG. Qu'est-ce qu'on peut citer également? Bah, il y aura pas mal de remakes, pas mal de remasters, notamment Suikoden 1 et 2, qui va revenir. Ça avait été la grosse annonce au dernier TGS, Suikoden 1 et 2. Avec le... Ce qui est marrant, c'est que tu as d'un côté Eiyuden Chronicle. Oui. Avec l'illustratrice de Suikoden, original. Mmh. Et l'illustratrice était quand même sur scène pour présenter Suikoden 1 et 2. Ah bah c'est un boulot du passé. Ouais. Bah on reste amis, tu vois. Suikoden 1 et 2, qui donnera peut-être envie, je ne sais pas, à Konami un jour de relancer la Sega. C'est un peu injuste d'avoir autant poussé Silent Hill et Suikoden. Il n'y a rien depuis des lustres. Mais bon, après... on est content de revoir Suikoden en version... En compilation, donc légèrement retouché d'un point de vue graphique. Et puis comme Suikoden 2, c'est le jeu de la vie. J'espère que les musiques... seront remasterisées, tu penses? Non, mais même la musique originale, moi, ça me va, tu sais. Ouais. Donc ça, c'est Suikoden. Il y aura donc Eiyuden Chronicle qui est en train... Bah, qui a validé depuis longtemps son Kickstarter, qui a validé depuis longtemps son éditeur. Qui a payé pour un Kickstarter ici présent? Des gens qui ont envie d'y croire Ouais, mais le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore vu trop de concret. Hein. C'est un projet qui a l'air beaucoup plus long à finaliser. Que ce qui est prévu. Que ce qui était prévu, c'est normal, c'est souvent comme ça que ça se passe. Est-ce que quand tu regardes les images des Eiyuden, tu te dis mon argent. Ah non, non. Bah, c'est ça, tu as de la distance avec le. Ah, j'ai pas de distance. Au contraire, je me félicite que ce jeu puisse exister grâce à mon soutien. Puisse exister, existant. Oui. Bah, oui, c'est cool. Non, c'est quand même une bonne chose. Hein. Qu'est-ce qu'on pense? Ah, moi, je suis ravi, mais j'y crois pas. Ah, t'y crois pas? Ah, mais non, je pense que... Parce que tu joué à Rising, tu penses que ça va pas être bien? En fait, je pense que quand tu fais un jeu et que, tu vois, t'es dans le coup et que ils auraient dû le faire il y a 10 ans, tu vois. Et je pense que quand t'es plus... c'est comme un combat de boxe, tu vois, il faut s'entraîner avant. Justement, ils le font avec le parfum d'il y a 10 ans, mais avec les moyens d'aujourd'hui, c'est ça l'idée. Je te fais une réponse comme FC. Je souhaite qu'il soit vraiment bien, mais je pense que tout ce qu'ils ont montré pour l'instant, j'y crois pas trop. Bon. Mais j'ai qu'une envie, c'est que ça soit génial, hein. Bah oui, moi aussi, j'espère, on croise les doigts. Juste, j'ai peur que sans la vista de Konami de l'époque, c'est vraiment bien. Bon, rapidement, pour finir ce tour des JRPG qui nous attendent en 2023, on va avoir Tales of Symphonia Remastered pour les 20 ans. Ça m'a fumé quand j'ai relu que Tales of Symphonia a 20 ans, alors que c'est le premier jeu que je suis allé voir au Japon. Tu veux que je te dise... Le premier jeu que j'ai testé à l'époque pour mes débuts sur le web, exactement. Mes débuts sur le web. J'aime bien quand vous dites ça. C'est vrai, c'était mes débuts sur le web. On est aujourd'hui, c'est les 27 ans de Super Robot Tyson S. Je me dis, putain. Mais c'est quoi Tales of Symphonia? Ouais, non mais Tales of Symphonia. Vous avez gardé des souvenirs de Tales of Symphonia? La ninja violette. La ninja violette. C'est Lloyd. C'est Roy. Lloyd. C'est Lloyd, ouais. Lloyd, Colette, Zelos. Ouais. Tu sais que ça vient du Diable Vauvert. Et comment s'appelle la ninja? Mais comment s'appelle le système de combat? China. Non. Bon, ouais. Comment s'appelle le système de combat? C'est le Linear Motion Battle System. Mais LMBS. C'est pas le Free. Le Free, il arrive avec Tales of the Abyss. Free Dual. Non, Dual. Dual Liner. On n'a pas révisé. Parce qu'en fait, si on était pro, on aurait fait un quiz entier avec les noms de systèmes de combat. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'époque, Tales, ils aimaient bien codifier leur système de combat. Ouais. De toute façon, c'est un Tales Kosuke Fujishima, donc ils sont moins bien validés que les Tales de Mutsumi Inomata. Inomata Mutsumi sont meilleurs, voilà.
D'ailleurs, ça me fait penser, peut-être qu'on aura d'autres jeux comme ça à hommage qui vont sortir pour les 20 ans. Il y a une rumeur persistante. Celui-là, il sort parce que vraiment, ça a été le premier Tales pour énormément d'Européens. Ouais. Mais, et qu'il a vraiment été un acteur majeur de la GameCube en Occident. Il y a des rumeurs persistantes et je veux savoir si vous en avez entendu parler ou si vous me les validez ou pas. On parle beaucoup de Baten Kaitos. Alors, j'allais dire, je veux qu'un seul jeu, moi, c'est Baten Kaitos. Parce que lui aussi est sorti fin 2003, pour le coup. Il a fêté ses 20 ans. Ah, quel super jeu. Il n'a jamais été remixé. Il n'y a jamais eu de suite. Il est pourtant apparu de temps en temps sur des plannings un petit peu comme ça. Oui, les mythos. Les plannings, on va vous sortir ça, un de ces quatre. Très bien qu'il ressorte sur Switch, par exemple. Baten Kaitos serait extraordinaire. Vous n'avez rien entendu là-dessus? Non, j'ai rien entendu sur Baten Kaitos. Bon, mais de toute manière, les rimes. Alors, il faut dire un truc, c'est que c'est le paradoxe de quand on a des oreilles dans l'industrie, qui est notre cas à tous les trois, c'est qu'en fait, les gros jeux, on a toujours des échos assez dingues, genre que ce soit au pif, FF, Death Stranding, enfin ce genre de choses, on a toujours des échos, on a des gens presque infiltrés. On a et plus les réalisateurs qui parlent, vraiment, alors que tout ce qui est de l'ordre du remake un peu inattendu, ouais. En général, c'est le truc qui est, tu vois, live, personne ne l'a vu arriver. Je crois qu'ils en parlaient un petit peu. Hein. Non. En fait, quand ils ont annoncé live, on a tous fait quel est le fuck, quoi. Il me semblait qu'il y avait un petit teasing avant. Bon, peut-être pas. Ah, on passe sur live. Mais après, en tout cas, moi, c'est mon cas. FF9 aussi, on en parle beaucoup parce que sans doute que l'animé produit avec un studio français va arriver un de ces quatre. Là, FF9, c'est un peu plus. C'est un peu plus dans les cordes. Bah, après, est-ce qu'ils ont gardé les archives? Tu sais, on a toujours ce problème d'archivage où on a perdu les docs, il faut tout refaire. En plus, il y a des jeux qui... Enfin, il y a des remakes amateurs. Tu sais, le fameux remake amateur qui avait refait tous les décors en HD via une IA. Et que... Le Muguri mode. Ouais. Voilà, on a demandé à ce que le truc disparaisse. Bah, en fait, le Muguri mode, il existe. Mais le problème, c'est que pour l'avoir fait, donc avec le... J'ai réévalué FF9 puisque c'est un épisode que j'aimais pas trop. Et finalement, c'est vrai. Ah, tu l'as réévalué dans les meilleures conditions possibles. J'ai fait avec le Muguri mode, avec l'accélérateur, avec... Il n'y a pas de loading... C'est vraiment les conditions optimales. Et mais aussi le fond du jeu est vraiment intéressant en fait. Je regarde ces images. Je sais pas ce qu'ils en feraient. Le truc c'est que Square Enix veut pas de modding sur leur jeu en général. Et donc, c'est pour ça que bah oui. Et donc en fait parfois c'est plus difficile à revendre derrière. Quoi. Ils update leur jeu de manière genre sur Steam. FF9 est régulièrement updaté pour que le mode ne puisse pas fonctionner. Bon, t'y crois pas, quoi. Et Xenogears, Final Fantasy Tactics, ce genre de rumeur qui revient aussi de façon assez persistante comme tous les ans. Bah, ça fait 10 ans qu'on entend FF parler. Tactics, peut-être. FF Tactics, c'est difficile parce que c'est quand même un jeu qui est très marqué par son staff. Staff qui n'est plus forcément aussi identifié. Parce que dit Minagawa, il va bientôt finir FF16, donc il aura peut-être plus de temps de s'y plonger. Je me dis que quand Minagawa aura fini FF16, est-ce qu'ils vont pas le remettre sur FF14? Peut-être. Ouais. Bon, mais ouais, pas fait rêver. Hein, non, mais il y a un truc, c'est que Chrono Cross, ça fait, on en parlait pendant 10 ans d'un remake de Chrono Cross, il est sorti et ça a fait un prout, quoi. Ouais, enfin, ils l'ont sorti dans un état quand même. Oui, c'est abri, quoi. C'était dommage. Oui, c'était dommage. Bon, bah, on c'est est. Pas juste le ressortir, c'est qu'il on aura, on aura sans doute l'occasion d'écouter au moins les musiques de tous ces jeux-là dans Theatrism Final Fantasy Final Bar Line. Je n'ai pas un JRPG qui a des côtés RPG, évidemment. Alors là, il y a juste une petite curiosité, c'est comment on y joue sans le stylet? Avec le doigt, Switch, la Switch est oui, tactile. Hein. La Switch est tactile, mais est-ce qu'on aura le même degré de précision, le même feeling, la même saveur? Ah ouais. Que les Curtain Call, que les jeux originaux. Bon, par contre, il y aura une playlist absolument dingue. Incroyable, oui, il y a du Nier, il y a du Secret of Mana, ça commence à faire si beaucoup. Si t'achètes le premier DLC ou le deuxième, ça peut monter jusqu'à 500 et compagnie, 530, je sais plus. En plus, maintenant. Regarde, t'as les petits persos. Comme tu le disais, Greg, t'as Nier, t'as Live Alive, t'as tous les jeux. Secret of Mana, Legend of Mana. Bon, c'est un concept qui est toujours aussi puissant. J'espère que cette version sera bien exécutée. Toujours aussi puissant. Toi, tu y as passé des dizaines et des dizaines. Ah, le SSS, tu vois. Pour une fois, j'ai fait mon platineur, tu vois.
Moi, je l'ai platiné évidemment, mais je me suis investi en tout cas. Et moi aussi, j'ai beaucoup, et surtout le deuxième, le Curtain Call. Ouais, le Curtain Call, il était oufissime. Et c'est un jeu, on peut le dire, qui est meilleur en version Final Fantasy que Dragon Quest. Oui. Parce que pour une simple raison, c'est que les musiques de Dragon Quest, elles tournent un petit peu en boucle. Un petit peu, c'est un petit peu les mêmes recettes. Ouais. Alors que Final Fantasy, bah, y a plusieurs identités, plusieurs univers, et puis bah, y a des. Voilà quoi, tu vois. Ouais. Bon bah on a hâte en tout cas de voir ça. Ça conclut un petit peu ce premier segment sur les JRPG et les jeux dérivés. On va enchaîner sur la certitude, c'est que ce sera une année Capcom. Là Capcom était un petit peu timide en 2022. Ah mais c'est toujours pareil avec Capcom. Hein. Ouais. Y a une année où on bosse, une année où on sort, une année où on bosse, une année où on sort. Ouais. Donc ce sera une année où on sort. Et là cette année ça va sortir dès la fin du mois de mars, clairement avec le remake de Resident Evil 4 qui s'annonce encore une fois... Bah aussi bien aussi que clean, le remake de Resident Evil 2 et du 3. Voilà, ouais. Exactement. Ouais. Mais comme c'est un jeu qui est un peu particulier quand même dans la saga Resident Evil, c'est l'un des plus appréciés, c'est l'un des plus révolutionnaires, oui. C'est l'un des plus remakés déjà aussi, enfin remaké en tout cas, porté, ressorti. Ouais. Ressorti. Non, il n'a jamais été remaké juste. Ah, non, oui. Ah, il n'est pas exclusif GameCube. Non, oui, c'est vrai qu'il a commencé comme exclusivité GameCube, il a été officialisé sur PS2 avant même la sortie sur GameCube. Ouais. Ça a fait du bruit à l'époque. Ouais. À l'époque, c'est le genre de truc pour lequel... Ah, c'était la trahison. Hein. Ouais. Les développeurs s'excusent. Ça faisait des pages à l'époque sur les forums. Et voilà. ça faisait du grabuge. Bon, j'ai pu l'essayer d'ailleurs. T'as pu l'essayer l'automne dernier. Ouais, ah ouais. Y avait une démo. Je suis surpris d'ailleurs que cette démo n'ait pas été mise en ligne alors qu'il est. Donc peut-être qu'il se la réserve. C'était la fameuse intro sur la place du village. Une intro qui est un petit peu plus délayée. Tu sens tout de suite les efforts de mise en scène. Tu sens la volonté de le présenter dans un autre écran. De faire diverger un petit peu les chemins avant d'arriver au moment le plus emblématique ou iconique, comme on dit. Et, c'est un jeu qui a vraiment marqué son temps. Ouais, et ça va être... Honnêtement, j'ai assez peu de doutes sur le fait que ce sera bien, puisque le jeu d'origine était quand même vraiment très bien. Et ils savent complètement gérer leur remake alors qu'il est. Donc voilà, on a hâte, et on aura hâte de vous le présenter d'ailleurs, d'en parler dans les prochains Semi Massive Turbo. Il n'y a pas que ça chez Capcom. Oui. L'autre gros jeu, bah, Pif paf. Pif paf. Dans voilà. Pif paf la bagarre. Street Fighter 6. Tiger Robocop. Ouais, Tiger Robocop. Et allez coup. Allez coup, allez coup, Tiger Robocop. Allez. Donc Street Fighter 6. Attaque d'une blanquette. Ouais. Ah, très bon. Qui prend une direction artistique et même une direction globale assez moderne. Il n'y a pas que les combats. Pour l'instant, on a surtout goûté à la bêta, donc l'aspect combat classique. Mais tu auras la possibilité de créer ton avatar, de lui attribuer différents coups. Moi, je trouve que story assez développé. Je trouve qu'il prend un côté très e-sports. Ah, train Need for Speed. Ouais, non, plutôt, non, vraiment e-sports, genre mode carrière Madden, FIFA, enfin tu sais, c'est vraiment, t'as l'impression que tout ce qui entoure tout le gras, on va dire, ouais. toute l'interface, toute la manière dont le besoin d'en faire un jeu de service. C'est ça, ouais, tout à fait, on se dit, il faut y jouer au moins un an. Parce qu'ils avaient déjà tenté avec Street Fighter 5, le côté saisonnier, le côté il faut jouer pour débloquer peut-être les persos gratuitement en cumulant les points et oui, tout. Oui, le problème de Street 5, c'est la même erreur que pour Street 3. Alors, ça n'a rien à voir avec la qualité du jeu, hein, mais c'est que justement, le jeu est devenu trop compliqué et qu'ils ont perdu plein de gens en route. Je me pose la question de savoir si Street 6 n'est pas quand même déjà trop compliqué. Je sais qu'il y a la volonté de le rendre accessible au plus grand nombre avec un système universel, ouais. Mais quand même, la jauge de drive, le drive cancel, le drive machin, ou tu sais, avec l'effet d'encre rouge. Ouais, alors, pour moi, ce Street, ça va être le Street Splatoon. Il y a de l'encre partout. Ouais. Et tu fais des coups qui balancent de l'encre. Au Street 4, il y avait déjà ce côté ancré sur les focus et compagnie. Hein. C'est pas non plus. Mais là, c'est vrai que les couleurs sont beaucoup plus chamarrées. Tu veux que je te dise, moi, j'ai un vrai souci de. Mais c'est peut-être un vieux regard. Hein, mais moi, j'ai un souci avec l'esthétique globale du projet. C'est-à-dire les personnages qui ressemblent à Street 4, qui ressemblent à Street 5 et qui ressemblent à Street 6. J'aurais juste aimé avoir un truc qui me les identifie, quoi, un truc qui fait que tu changes de génération et que tu comprends que ça change de génération. Je dis pas forcément de la 2D, mais tu vois, quand tu vois ce que fait Arxis à côté, alors j'aime pas le feeling Arxis, mais par contre, on peut pas nier qu'ils ont vraiment des directions artistiques marquées et où tu peux vraiment les identifier. Là, voilà, c'est très marqué aussi, ouais. C'est juste qu'ils vont dans la même direction depuis trois épisodes. Ouais.
Bon, bah, on a mais par contre, j'y jouerai avec plaisir et j'ai hâte de faire des Soumyasen combos ensemble tous les trois. Bah oui, ça portera bien son nom. C'est un jeu qui s'y prête vraiment et surtout à chaque sortie de Street j'ai envie de jouer avec toi ou j'ai envie de jouer avec Greg. Bah ça reste quand même un petit événement pour tous ceux de la génération Street Fighter 2, t'as toujours envie de goûter au Street, de voir en 30 ans ils ont appris à compter jusqu'à 6 déjà, c'est cool. Et puis la bêta a été assez encourageante, même si assez perturbante au départ, puisque il y a un équilibrage de jeu qui fait que quand tu mets un coup dans la garde il y a quand même de grandes chances que tu sois défavorisé derrière et donc tu peux assez peu finalement poker. Voilà, ça, le je joue pas assez bien pour avoir ce genre de subtilité. Par contre, quand tu t'assois sur une borne d'arcade, tu peux jouer un vieux jeu de Capcom et ça, c'est génial. C'est vrai, c'est vrai. C'est genre, tu peux jouer un jeu de Capcom juste pour ça, juste en time attack, tu fais un niveau ou une vie, je sais plus comment c'est organisé, mais c'est vraiment super. Bon, le troisième jeu de Capcom qu'on a tendance parfois à oublier, alors que son concept mérite d'être salué, et puis il est complètement soumis à cette turbo compatible, c'est Exoprimal. Ah. Voilà, oui. Alors, je n'ai pas le souvenir d'une date de sortie ferme et définitive pour Exoprimal, mais... C'était un titre de lancement de la PS5, et puis finalement non. Et puis, ça, c'est Pragmata. Ça. Je confonds avec Pragmata. Exoprimal, c'est celui où il pleut des dinosaures. C'est celui où il pleut des dinosaures, et où tu... Donc, c'est du PVPVE. Il ne devait pas sortir tout de suite, lui. Il y a différentes teams qui s'affrontent, et en même temps, il y a des dinosaures qui servent un petit peu de chair à pâté. Je pense que ça manque de nazis. Ah bon? Qui pleuvent des nazis et qu'on les bousille. Peut-être que les dinosaures sont nazis, on ne sait pas. En fait, il existe un jeu où il y a des dinosaures nazis. Ah. Mais Jeux PC. Il pleut des dinosaures. Il y a eu pas mal de phases de bêta. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de toucher et d'approcher le jeu alors qu'il est. Il était jouable au TGS, mais ça demandait des heures de queue. Des heures de queue. Prochain TGS, on sera trois. Oui. Prochain TGS, et puis on aura peut-être un petit peu plus de temps aussi. Donc Exoprimal, concept toujours aussi intriguant, on va voir si ça tient la route. Au-delà. Parce que on sait que Capcom et les jeux de service, hein, globalement, ça n'a pas toujours été une histoire d'amour. On se souvient de différents modes multijoueurs qu'ils ont voulu sortir pour les Resident Evil. Tu parles à quelqu'un qui a joué à Babylon's Fall. Babylon's Fall, c'est Platinum, mais tu vois, Platinum et Square Enix, mais par exemple, les jeux multi comme ça, c'est pas... Oui. Bon, on verra, on leur souhaite bonne chance. En fait, le problème de ces jeux de service, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup. Et c'est qu'il faut qu'ils vraiment ils aient une personnalité. Après, ils maîtrisent l'aspect multijoueur sur Monster Hunter. Donc, quelque part, ils peuvent. Il y a quand même des exosquelettes assez rigolos, quand même. Ouais. Bon, on verra pour Exoprimal. Question, donc, tu parlais de Pragmata. Oui. Ce fameux projet qui, normalement, doit sortir cette année-là, puisque l'an dernier, on avait eu droit à un petit teaser avec la petite fille. Il arrive. Qui avait sa petite feuille en disant 2023. Bon, est-ce que ce sera le cas? On ne sait pas. Pragmata, qui là aussi, on a très très peu d'informations. Il a été présenté au moment de l'annonce de la PlayStation 5. C'est un peu le... Le deep down? Le deep down de la PS5. Mais vraiment, hein. Oui, c'est ça. Ouais. Mais deep down, finalement, on ne l'a jamais... Ouais. Regarde, 2022 ou 2023. J'espère que cette année, elle n'arrivera pas avec 2023 et hop, elle ouvre la feuille. Et... 2024, mais... J'avais même pas vu ce truc. Hein. Ah ouais. Sinon, je m'en serais moqué. Ça a été très, très 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 court et je crois que c'était pendant le State of Play, juste avant le TGS, où on avait vu ça. Bon, on sera fixé, capture avec le... Donc c'est le RE Engine, donc quelque part au niveau du moteur. Quand je vois ça, je pense surtout au jeu David Cage là, avec des robots. Ça fait un peu ça, je sais pas pourquoi. Et l'autre question, c'est est-ce que Dragon's Dogma 2, qui avait lui aussi été annoncé l'an dernier, est-ce qu'on aura l'occasion de le voir un petit peu plus cette année? J'aimerais bien, mais je pense que quand ils ont vu Elden Ring, ils se sont dit on va refaire 2-3 petits trucs. Tu dis Soumimasen, on regardera pas. Écoute, je sais que j'ai jamais joué un seul Dragon's Dogma 1. Oh, c'est tellement bien. Et tout le monde. Il y en a qu'un en même temps. La version plus alpha derrière. Et tout ça, machin. Et j'ai toujours manqué l'occasion. Soit le net. C'est l'occasion. Soit le truc. Et donc, ouais, là, ça va être l'occasion. Je vais essayer un Dragon's Dogma. Je pense que ça a pris cher, honnêtement. Ah, moi, j'ai adoré. Hein. Ah, j'ai adoré. Enfin. Ah. J'ai aimé, ouais, bon, comme d'habitude, mais je trouvais le concept surpuissant. L'exécution était un petit peu bancale à certains moments, mais le concept était super. C'est le moment. Tu peux t'accrocher au monstre. Même Elden Ring, il ne fait pas ça. Hein. Ouais. Donc voilà. Tu auras peut-être l'occasion en stream. Mais je suis complètement partant. C'est pas du tout parce que j'ai manqué l'occasion d'y jouer. En fait, il y avait d'autres choses à jouer à ce moment-là, c'est tout. Bon, t'as parlé d'un épouvantail tout à l'heure en le citant. Il va sortir au mois d'avril. Attends, il arrive, il est quel là. Quel épouvantail? Je ne sais pas. Il sort chez Nintendo, histoire de te mettre un petit peu sur la voie. Ah, l'épouvantail de chez Nintendo. Est-ce qu'il y a des royaumes? Il y a des royaumes, il y a des larmes. Des larmes, si les armes cassent, évidemment. Où est-ce que c'est des royaumes qui se déchirent? Du royaume. Des royaumes qui se déchirent. Tears of the Kingdom. Tears. Tears, pardon. Tears, ouais, pourquoi je dis Tears? Les larmes du royaume, non? Ils vont le garder en anglais? Non.
Oui, normalement, ouais, bah, Breath of the Wild. Tears of Kingdom. Ouais. Le voilà, le voici, ce sera l'immense rendez-vous de cette année. Bon, pour tous ceux qui ont aimé Breath of the Wild, ils sont nombreux, hein. Ils se reconnaissent entre eux d'ailleurs. J'y rejoue encore. Mais qu'est-ce qu'il y a encore à explorer sur ce jeu vieux de 6 ans? J'ai recommencé. De blague, il y a toujours quelque chose. Et honnêtement, je découvre des nouveaux trucs. Mais tu savais qu'à un moment, il y a un tertre. Les tertres, donc Héritage Jomon, donc c'est l'espèce de tombeau semi-enfoui. Tombeau enfoui de l'ère primitive japonaise. Et en fait, il y a un tertre. Et j'avais pas du tout calculé que, en fait, si tu mets un truc de. Tu fais tomber la foudre dessus. Bah, tu fais apparaître un sanctuaire, quoi. Ah bon ? Ouais. Et oui. Ah ouais ? Et alors, je me suis dit, comment faire pour faire apparaître le truc ? Et du coup, j'ai pris une épée, je l'ai foutue sur le sol et... Ah oui, non. Bah, je pensais que tu te le disais. Non, alors, d'accord. Non, et genre, okay. Et c'est incroyable. Et genre, je découvre... Et je, peut-être ça m'est venu tellement naturellement, en fait. Peut-être pour plein de gens, c'est naturel, mais moi, je l'avais pas fait à l'époque. Et genre, il y a plein de détails, de micro-détails de ce jeu. C'est vraiment... Il s'annonce encore plus gigantesque, hein, le fait de pouvoir explorer les cieux et tout, ça donne, ça va ajouter une... Est-ce que c'est les cieux ou d'autres royaumes? Tu veux dire qu'il y aurait peut-être deux royaumes qui se font face? Moi, je suis pas dans le theory crafting, mais je veux dire, on parle de royaumes qui déchiraient ou de larmes de royaumes. En tout cas, c'est à haute altitude. Tu vois bien qu'il y a quand même la volonté d'avoir... Haute altitude, d'accord, mais est-ce que ça voudrait pas dire qu'il y a une autre carte, un truc comme ça, voilà. Mystère. Est-ce qu'ils vont garder la première carte? Tu poses la question. Voilà, Je pose. Très bien. Bon, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon. Il va sortir. Très prochainement. Ça arrive. Lui aussi, un multi-retardé. Je suis day one. Non, il n'est pas multi-retardé. Ah, si, il a été. Ils l'ont annoncé pour l'année dernière déjà. Bon, Nintendo sera un des grands animateurs de Tsumimasen Turbo et de l'année par la même occasion. Bah, on pense, oui. Pikmin 4. En même temps, c'est le plus gros vendeur japonais au Japon. Et ils ont la capacité de sortir des jeux, on rappelle. Oui, comme ça. Chapeau. Enfin, je veux dire, Xenoblade 3, claque. Ah, bah, il sort bientôt. Et comme on l'a fini en avance, on vous le sort en juillet. Avant le Deluxe Pack. Comme on ne veut pas aussi nuire avec Splatoon 3, qui était vraiment dans les starting blocks, lui aussi. Bon, Pikmin 4, on n'a pas vu grand-chose pour l'instant, mais ça fait partie des... C'était un peu une arlésienne, parce que quelque part, il a été annoncé. En tout cas, la volonté de créer un nouveau Pikmin, elle est là depuis très longtemps. Je crois que c'est du troll. Je vais me foutre des mecs d'IGN et je vais leur dire... Est-ce qu'il y a des mecs qui veulent Pikmin, genre qui se disent... Ah ouais, parce que autant des mecs qui veulent F-Zero, je reconnais, tu vois. Ouais. On en connaît tous. Méfions-nous des minorités bruyantes. Ouais. J'ai l'impression que c'est genre wishful thinking. Ah ouais, on veut un Pikmin et puis à la fin il sort et puis bon. Lui, il a pas de date de sortie, il a même pas d'image de gameplay. Comme Luigi's Mansion, qui a pas. Enfin, genre les gens disent Luigi's Mansion. Alors qu'il est super bien le jeu, mais c'est pas. Le 3, il est extraordinaire. Il est super. Hein. Ouais. Il s'est bien vendu. Hein. Et il s'est bien vendu en plus. Il a cartonné. Remarque, on dit ça, tout se vend sur Switch. Hein, t'as raison. Oui, mais le 3 particulièrement. Kirby Return to Dream Land Deluxe, lui, arrive. Il sort dans. Là aussi, quelques semaines. Quelques semaines. Bon. Comme d'habitude, je vais être super chaud au moment de. Au moment de le lancer, et puis après, je vais m'apercevoir que c'est bon, bah c'est mou, quoi. C'est Kirby. Tu joues avec ta fille, surtout. Oui, c'est vrai qu'elle a adoré le monde oublié. Tu m'as dit que vous avez joué à deux et qu'elle passait les boss. Elle a fini, elle a donné, c'est une anecdote désormais, elle a donné le coup final au boss final. En tout cas, le premier boss final. Est-ce que tu étais fier d'elle? Ouais, surtout, non seulement fier, mais en plus, sans elle, ça aurait été beaucoup plus long. Donc, Ma chérie, ton premier framerate. Bravo, ton premier final boss est tombé. Ouais. Bon, voilà, ça fait partie des peu de jeux dont on connaît la sortie de chez Nintendo. Que les jeux comme Metroid Prime 4, là, je pense qu'on peut se le mettre un petit peu de côté. J'ai eu peur. Ouais, voilà, on en est toujours à l'étape du logo, du côté de Metroid Prime 4. Donc, mais qui sait, tant qu'il est en développement, il n'est pas mort. Le 3 existe encore. Gageons que. Et par contre, ce qui est certain, c'est qu'on aura un autre rendez-vous, cette fois-ci sur grand écran, avec le film Super Mario chez Illumination. Ouais. Et lui, là aussi, il passera sous notre scalpel, messieurs. J'ai vu les jouets, ils sont dégueux. Ah bon? J'ai même pas vu, je les ai même pas aperçus. Attends, c'est pas les Lego. Non, je parle des jouets. Je parle des figurines tirées du film. C'est pas. On peut mieux faire. Ouais. Ah, c'est un peu c'est dommage parce que le merchandising Super Mario là, ça depuis quelques années, ça y est, ça explose, hein. On a même des t-shirts Super Mario à Carrefour maintenant. Enfin, il y a rien qu'il y a 10 ans, on t'aurait dit tiens, il y a des supermarchés Mario à Carrefour, personne n'y aurait cru.
Et là, aujourd'hui, bah, y a du merchandising partout, partout. D'ailleurs, il me semble que le Super Mario Land américain de Universal Studios va ouvrir là en février, il me semble. Il a ouvert. Ah bon ? Enfin, ou peut-être pas. Non, il est en bêta. Ah, il est en bêta. Il est en bêta. Il ouvre le 15 février, je crois. Ouais. Et du coup, bah, voilà, la stratégie est rondement menée. Mm. Mais voilà, c'était pour dire que j'étais assez déçu de la tronche des figurines de Super Mario, le film, qui ressemble ni au personnage du film, ni au personnage du jeu. Enfin, c'est un espèce de choix de design qui est assez bizarre. Je me demande comment ils ont pu valider ça. En tout cas, le film a l'air super. Hein. Ouais. Le film, ouais, vraiment, ouais. Genre, ils ont l'air d'avoir donné de la profondeur là où il n'y en avait pas toujours, d'avoir développé les choses. Enfin, vraiment. Bah, le film Mario, à la base, ça fait très longtemps qu'il est en projet. Mmh. Et ça fait très longtemps qu'Illumination l'amène à Nintendo. Et qu'ils avaient justement produit un truc un peu trop Disney. Et Nintendo leur a dit non, le dessin animé Mario, on vous dit pas non. Mais on vous dira OK quand on jugera que ce sera suffisamment pertinent. Donc ils ont revu leur copie plusieurs fois et là ça y est, ils ont donné le go. Bon, on verra ça au printemps prochain. Mais ça serait bizarre que quand même l'année où il y a un film Super Mario quand même ambitieux, il n'y ait pas de vrai Mario. Il n'y ait pas de jeu. Ou au moins d'opérations spéciales autour de Mario. Ouais, après, ou au moins on a eu les 25 ans de Zelda et ça a été un Game & Watch surtout. Ouais. Bon, on verra bien. On a parlé donc des JRPG, on a parlé des jeux Capcom, on a parlé des jeux Nintendo, on va parler d'autres éditeurs. Les jeux d'action, l'année des gros bras. Des AA, Non, pas forcément des AA, mais en tout cas des jeux d'action qui vont nous faire plaisir. Je pense notamment à tout ce qui concerne non plus Yakuza, mais Like Dragon. Oui. Dragon Ishin, lui aussi il arrive, mais il arrive bientôt là, mais dans 15 jours quoi. Ishin, oh là là, ça va être tellement bien. C'est ouf, j'ai vu qu'il y avait un press tour qui a été organisé cette semaine en Allemagne. Ah ouais. Ouais, donc les press tours reprennent et ils comptent dessus. On n'y attend pas, mais on a déjà joué à Ishin tous. J'ai joué à la démo d'Ishin au Tokyo Game Show avec le nouveau système de cartes que l'on voit là. D'ailleurs, il y aura un catcher parmi les cartes. Attends, deux catchers. Le système de cartes est constant alors. Le système de cartes est constant. Il avait fait l'objet uniquement d'un mini-jeu C'était dans le mini-jeu de donjon. Sur PS3 et sur PS4. Et là, il est constant. Ce qui fait que tu as toujours accès à des attaques primées, des attaques bonus comme ça. Et ça rendait le jeu extrêmement plaisant, extrêmement fluide. Et en plus, ils peuvent mettre toutes les figures un petit peu. Il y a Ichiban Kasuga qui est arrivé avec Yakuza 7. Et ben, il sera il dans le jeu par ce biais-là. Entre autres. Donc ça fait partie des bonnes. Ça veut dire qu'ils vont encore. Des bons ajouts. Ils vont encore enlever ceux qui ont été inculpés pour possession de drogue. Ouais, oui, c'est clair. Ça permet d'ajuster ça. Donc il y aura Like a Dragon Ishin qui va sortir mi-février. Et dans le courant de l'année, si tout va bien, Like a Dragon Gaiden qui lui se charge de faire la transition entre l'épisode 7 et l'épisode 8. Qui est un gros DLC en fait, semble-t-il. Enfin, genre il y a. On m'a dit 10-15 heures de jeu. Il est dans la durée de... je crois qu'il était dans la durée des Kaito Files, de mémoire. Kaito Files, c'est 6 heures. Ok, donc le DLC spécial qu'ils avaient fait, scénarisé, qu'ils avaient fait pour Yakuza... Pour The Last Judgment. C'est ça. Que j'ai fini, et très 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 bon DLC. Je pense que c'est une de mes histoires préférées, hors Ishin, c'est une de mes histoires préférées. Mais ça nous fait la transition, donc savoir pourquoi Kiryu passe de moine à... blond décoloré dans Like a Dragon 8. Ah ben il y aura forcément. Ouais. Et j'ai vraiment envie de. C'est vraiment un truc que j'ai envie de. À la fois j'étais content qu'on me le dise pas et qu'il y ait du mystère, mais je suis très impatient de jouer à ce jeu. Et si vous aimez les jeux de sabre, vous allez être servi en février, en mars. Il y aura Wolong, Fallen Dynasty. Ah putain, ça a l'air bien, mais c'est déjà là. Mais oui, c'est le 3 mars, il sort. Ah putain, mais oh là. Non, non, mais je sais pas comment on va faire. Parce qu'il n'y a pas que des jeux japonais en plus. On va se dispatcher les trucs, là, c'est pas possible. Bah ouais, Wolong. Là, par contre, ça peut faire un Sumimasen combo assez facile et assez rigolo. Je l'attends avec beaucoup d'impatience. Ça va être ouf. Donc, pour ceux qui ne le resitueraient pas, c'est le prochain jeu, le prochain Souls-like chapeauté par Team Ninja qui avait fait les Nioh 1 et 2. La démo, le mec, il se fait bourriner la gueule pendant ça. Ça reprend donc, du coup, les codes de ces jeux-là, sauf que là, on met un petit peu plus en phase sur l'esquive et le deflect, la parade. Et le loot. Et ça se déroule, comme le dynastie l'indique, dans la période de l'époque des trois royaumes en Chine, donc 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Après. Et donc, avec tout ce que ça compte de gros boss. Et d'authentique, parce qu'on voit. D'authentique monstre de l'époque. Voilà. Et là, on voit donc Guan Yu et Liu Bei. Lubu.
Lubu. Lubu, pardon. Oui, Lubu. Attention, en version japonaise, ils ne portent pas le même nom. Oui, c'est Libi. Comment ils disent en... Libi, là... Non, en chinois, c'est Lupu. Ouais. Lupu. Oui, parce que la prononciation... Nous, on dit Zhao Yun comme des, voilà. Comme des gougnafiers, mais en fait, ça... Y a et encore, c'est, les versions, c'est la version anglaise qui est désormais devenue la version internationale. Tu vois, par exemple, tout le monde dit Kao Kao aujourd'hui parce que... Dans les Dynasty Warriors, ça aurait été trop compliqué de reprendre les transcriptions françaises classiques. Mais normalement, en français, tu dis Tsao Tsao. Ouais. T-Z-A-O. Et en japonais, et... c'est So So. Voilà, ouais. Exactement. Non, mais en plus, mais y a des en causes... plus les japonais, par exemple, comment dire, Zhuge Liang en japonais, il s'appelle Komei. Parce, Komei, que parce que eux lisent les kanji. Et les kanji se lisent pas pareil en ça, chinois. C'est le plus gros distinguo, c'est genre Komei. Et moi, je connaissais que Komei. En fait, on fait. Ah, mais c'est Zhuge Liang, voilà. Et, qui est un personnage très important dans Giant Robo, figure-toi. Puisque Giant Robo est une émulation de Suikoden et de Sengoku. Mais pour revenir à Wolong, ça a l'air surpuissant. Et puis il y a ce principe de bravoure aussi qui, voilà, plus tu joues bien et plus tu acquérera de la bravitude. Alors ça, regardez, je veux dire la bravitude du peuple chinois. Regardez le regard de Puyo, ça me rappelle un autre jeu. Ça me rappelle un jeu qui s'appelle La main de Dieu, God End. Ah oui, c'est oui, un... mais non, parce que God End, mieux tu joues, mieux il t'enfume. C'est ça la mais différence. Ça va être la même chose. Hein. Non, mais non. Si. Non, c'est la différence. Non, c'est différent. Ah, moi, je, mais par moi, contre, moi, si, je tu jouais... meurs, si tu meurs, ce sont les ennemis qui vont reprendre la bravoure. Voilà. Donc c'est un. Plus tu meurs, plus c'est dur. Plus tu meurs, plus ça risque d'être dur et plus tu vas devoir rebrousser chemin pour refaire pour ta relouter bravoure. Relouter et voilà. C'est ça la différence. C'est pour ça que ce boss, il me défonçait. Oui. Parce que le boss, il était. Horrible, horrible. C'est l'anti-isekai. Tu sais, tu meurs et c'est moins bien qu'avant. Je crois que j'ai compris le système maintenant et j'ai compris pourquoi je perdais. Donc ça, c'est Wolong, mais il y a un autre jeu, toujours signé Koei Tecmo, mais cette fois-ci chez un éditeur occidental, qui va s'appeler donc Wild Hearts. Mm-hmm. Donc c'est un peu le Tokiden 3 qu'on n'a pas eu, qu'ils n'ont pas réussi à financer, on ne va pas se mentir, avec la possibilité de créer des forteresses pour partir à la chasse aux monstres. Donc tu chasses ton monstre, mais comme dans un certain jeu, un concept jamais vu et qui n'a pas du tout marché, eh bien tu pourras, ce faisant, pendant que tu traques le monstre, eh bien, construire des abris, des barrages, des équipements. Ouais. Alors, de quoi leur faire un petit peu obstruer le chemin. C'est MGS5 en fait que tu décris. Pas faux. Mais voilà, Wild Hearts, lui aussi, il arrive très 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 vite et un petit peu en concurrence frontale avec un autre jeu, Koei Tecmo. Enfin, Koei Tecmo, lui, il s'en fout, il a livré, donc il est plus léger. Mais Koei Tecmo, littéralement, c'est le plus grand. Il y a le même sanglier. Sanglier. Vous voulez un sanglier? Je vous le mets là. Écoutez, j'ai un prix. J'ai modélisé un sanglier. Je pense que le sanglier, c'est le. Mais littéralement, c'est le même. Il est partout. C'est même genre. Non, mettez-lui un peu d'herbe. Mettez-lui un peu de feuillage, rien à voir. Vous vous foutez de ma gueule, il est dans l'autre jeu. Non, regardez, l'autre, il crache du feu. On a modélisé un sanglier. Quel est votre sanglier préféré, les gars? On a un prix sur la machine de capture. Voilà. Sur l'Unreal Engine 5, on a eu un prix sur les sangliers. Alors, si vous nous soutenez jusqu'à la fin de l'année, sous la chaîne Turbo, on va faire le top du meilleur sanglier. Ah, voilà. Je pense que c'est pire que ça. Ils ont dû vouloir. C'est le même asset. Attends, Hubert, tu n'as pas le sanglier du président? Le sanglier, c'est incroyable. Je te demande un petit peu de jonglage, mais honnêtement, c'est ouf. Mais attends, il n'avait même pas. Bon, après, tu peux pas faire des patterns vraiment de ouf. Un sanglier, moi, je pense qu'en fait, ils ont amené un sanglier dans le studio de motion capture. Parce que c'est pas le sanglier d'Angoulême. Et tu sais, la bestiole a tout pété. La bestiole a tout pété. Il s'est énervé. Et du coup, pour rentabiliser, ils vont mettre le sanglier partout. Ah, mais attends, mais il y a encore du sanglier, mec. Ah, mais c'est le même. C'est... Ah, ouais, d'accord. C'est le même jeu. Mais là, voilà, la différence, c'est que c'est celui-là, tu pourras. Peut-être que Wolong a du multi, il faudrait c'est que je revérifie. C'est Sengoku Musou, c'est Sanglier Musou. C'est quoi, il y a des Japonais qui se sont dit, écoute, Sanglier Musou, qu'est-ce qui manque à Monster Hunter, c'est des sangliers. Mais voilà, donc si vous êtes un petit peu en manque de Monster Hunter, même si on le rappelle, Monster Hunter Rise est sorti. Si vous êtes en manque alors qu'il vient de sortir. Là, alors qu'il est sorti sur les autres consoles. J'y ai rejoué. Et bah, tu sais quoi, grosse analyse, c'est plus beau. Ah bah oui, vraiment, ça, merci de monsieur le professionnel. Bravo, il est plus beau sur. Tu veux dire que sur Xbox Series X, c'est plus beau que sur Switch. Plus beau sur nouvelle génération. Mais par contre, il y a un truc qui m'a un peu pas choqué, mais genre, il y a le DLC, enfin donc Icebreak, il sort plus tard sur PS5 et Xbox. Bah, pour te laisser le temps de faire. Ouais, mais genre, ils auraient pu faire en pack. Bon, tant pis.
Bon, ça, c'est les sangliers. From voilà. Software n'a pas de Souls cette année. Il n'y a pas de sangliers non plus. Peut-être un DLC pour Elden Ring tôt ou tard, ça devrait quand même arriver. Est-ce qu'Elden Ring ne manque pas de sangliers, justement c'est... Oh, il y en a quelques-uns, non, de mémoire. Mais en fait, le pattern sanglier ressemble un peu au pattern rat, en fait. Ouais. Si tu regardes, il donne des coups, et je déteste les rats dans les Souls. Et à défaut d'avoir un Souls, on aura un Armored Core, puisque Armored Core 6, qui a été annoncé Fires of Rubicon, d'ailleurs... qui a été annoncé lors des Game Awards en décembre dernier, va arriver normalement cette année, si tout se passe bien. On sait que c'est un projet qui tient à cœur à Miyazaki, c'est un projet dont il parle depuis... Il était à Miyazaki, dont il parle depuis très longtemps. Il arrive. Tu sais qui m'en avait... Je pense qu'ils vont jamais vendre autant d'Armored Core depuis depuis From Software. Tu sais qui m'en avait glissé un mot lorsque je l'ai rencontré à l'époque de Dark Souls 3. Et tu nous dis que maintenant. Voilà. Bah ouais, je pouvais pas vraiment dire, mais il m'avait dit Armored Core et tout ça, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Et tout. Bah, Miyazaki lui-même. Hein? Miyazaki lui-même. Ah oui. Ouais. Pourquoi tu. Bah, dans ce cas-là, c'est Scoopou alors? Ah bah non, mais. Faut faire croquer les Scoopou. Je voulais pas trahir non plus. Et ni le secret. Et puis surtout, j'étais surtout pour Dark Souls. Je t'ai dit, il se fout de ma gueule. Ouais, bien sûr. A vu mon t-shirt Robot Tyson, il a voulu me caresser dans le sens du poil. Bien sûr. Alors que le mec était là, pourquoi personne écoute mes histoires de robots? Mais ce qui est intéressant de Dark Souls, entre le moment où je te parle de Dark Souls 3 et aujourd'hui, c'est que les gens sont en manque de From Software. Et ils auraient sorti n'importe quoi marqué From Software, les gens ont fait ouh. Les gens, ils ont sorti Déraciné sur PSVR, tout le monde s'est bien joué. Mais ça, c'est PSVR. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a plein de gens qui vont acheter Armored Core sur la bonne foi de Dark Souls. Alors, ils s'imaginent même pas ce qu'ils vont avoir. Ils s'imaginent même pas le. Bah, surtout, ils s'attendent pas à passer plus de temps dans les menus que dans le jeu lui-même. Après, s'ils ont joué à Demon Ex Machina sur Switch, peut-être qu'ils vont se... Je suis très content qu'Armored Core sorte. J'ai juste une question, c'est que le Rubicon, c'est un fleuve. Une fois que tu l'as franchi... Je veux dire, tu peux pas mettre le feu à de l'eau, techniquement. Bah si, avec le feu grégeois là, dans Game of Thrones, ça marche. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois ? C'est vrai. Oh. Ce documentaire historique. Encore. C'est le feu grégeois. Quand Dragon, il souffle sur l'eau, ça fait du feu, que je sache. Bon, ça fait partie des projets qu'on va attendre, qu'on va suivre durant cette année. Au même titre, peut-être que Bayonetta Origins, qui sortira lui au mois de mars encore. Non mais février, mars, avril, mai, juin, on est foutu. Il y a une année fiscale à boucler là. Bayonetta Origins. Alors, j'ai pas fait Bayonetta 3, il faut que je le rattrape d'ici là. Très très bien. Sauf que là, la différence, c'est qu'il y a un petit côté. C'est point and click un peu, non? Non, c'est Platinum à l'ancienne, j'ai l'impression, mais il y a une direction artistique à la Okami. Voilà, Okami, c'est un peu Okamisant. Ouais. Mais... Chocobo Dungeon de Bayonetta. Bayonetta Origins. Ça a l'air d'être quand même le petit jeu fait avec les bouts de ficelle de. Avec les restes. Ouais, avec les restes. Non. Genre, on avait des idées, tout ça. Non, mais t'occupes ta deuxième team, ils se forment. Je pense que c'est un peu comme ça que ça se présente aussi. Mais en tout cas, c'est intéressant. Après, je pense que les gens qui sont passionnés par le lore Bayonetta, ils vont se régalade. Hein. Ouais. T'es pas passionné par le lore Bayonetta? Moins que ça. Il y a Chouchou, là. La rencontre avec Chouchou. Et voilà, donc des petits. Tu trouves que c'est la même ambition que Bayonetta 3? Ah bah non, bien sûr que non. Bah voilà, c'est un Gaiden, voilà. Ouais, c'est un Gaiden. Comme Okamiden était le Gaiden d'Okami, tu vois. Attends, moi j'ai oublié Okamiden. Okamiden, ouais. Bon, on verra. En tout cas, ça fait partie des jeux qu'on va suivre parmi les gros jeux japonais. Je trouve ça cool qu'ils vont vivre la licence alors que. C'est pendant des années, on était en attente du 3. Quoi. Il y a quelques petits outsiders aussi dans la liste que je vous ai mis. Je vais voir, je vais tester un petit peu votre réflexion. Je vais citer Shin Kamen Rider Rambou, parce que tout à l'heure on a parlé de, de Shin Kamen Rider Rambou, voilà, qu'on a posté sur le compte Twitter Sumimasen Turbo. D'ailleurs, on a complètement oublié de parler des comptes et des machins. On le rappelle après. Alors, les jeux SD de Banpresto, ça a toujours été compliqué en fait. Ouais. Donc, est-ce que celui-là. C'est pas le premier beat'em up SD qui sort. Hein. Ah bah non. Loin de là. Mais est-ce qu'on va renouer avec la grande tradition du Kusoge Super Famicom ou pas, tu vois? Ça peut être. Ça en prend le chemin. Ça peut être aussi nul que sympa. Mais ça pourra pas être plus au-dessus de sympa. ça peut être vraiment très nul parce que Greg a raison. Hein. On a des années de SD. SD Banpresto terrifiant. Et bon, après, tous les SD Dodgeball, tous les SD Beat'em Up, il y en a eu plein. C'était vraiment. Il y en a eu des biens, si j'ai eu. Des cultes, il y en a eu des cultes. Les SD Gundam, je crois. Ouais. SD Gundam 2, qui était pas mal, qui était assez cool. Mais après, c'est toujours sympa au maximum. Ouais. C'est jamais le grand jeu à licence qu'on voudrait, quoi. Ouais.
Donc ça fait partie des jeux que j'avais envie de citer. J'avais envie de citer Fate Samurai Rebirth, qui va encore occuper Koei Tecmo, parce que Koei Tecmo, ils avaient encore un beat d'up sur la ils avaient encore une équipe à occuper. On s'est dit redis-moi le nom. Fate Samurai Rebirth, donc dans l'univers de Fate, mais avec des samouraïs. On attend toujours. Bon, t'embête pas Hubert, parce que c'est juste un petit teaser. Bon bah c'est gentil quand même, mais regardez. Il y a un chat, donc t'es content. Ah bah oui, forcément. Voilà. t'es devenu l'ami des chats. Je suis toujours l'ami des chats. On le voit pas trop, mais il s'est littéralement touché quand il a vu le chat. Il a fait oh, chat. Ah bah oui. Bah là, alors sachez que désormais j'ai mes tenues de domicile et mes tenues à l'extérieur. Parce qu'il y a trop de poils de chat. Non, mais comme elle griffe tout. Ah. Tu vois un joli pull Sonic comme celui-là ou un joli pull Goemon. Elle te le défonce. Ouais. Elle me le défonce. Donc je suis obligé de quand je rentre, je mets ma tenue. Mais attends, avant t'avais pas des tenues d'intérieur et des tenues d'extérieur? Non, j'étais en tenue d'extérieur. Tu veux dire un pyjama ou? Ouais, ouais. Oui, si, bien sûr, mais. Là, je rentre et j'enfile. Bon, ouais, ma tenue. Bon, c'est pas le propos de l'attente 2023. Je vais vous citer également Dokapon Kingdom Connect, qui est un petit peu l'annonce surprise. Alors, je vous avoue que j'ai jamais joué à Dokapon, qui est donc un party game basé sur des règles de RPG, et tu vas passer de case en case. C'est un petit peu la bonne paye, sauf que tu level up. Ouais, c'est ça. C'est pas mal, hein. C'est le Itadaki Street sans licence. Ouais. C'est bien ça. Parce que là, c'est jouable en ligne, c'est tout ça, t'as des petits bonus. C'est, on va dire que bien opportunément, après Momotaro, on a vu Momotaro, il y a peut-être un billet à faire, quoi. Ouais. Mais c'est. Alors, j'ai un ami commun est dans les bails. Non, mais celui-là, j'y ai pas touché, mais il faut voir si le gameplay a évolué depuis l'époque, on va dire. Poliment. Côté indé, côté Inti Creates, on va accueillir Grim Guardians Demon Purge. Lui aussi, il va arriver au mois de mars. Parce que Tu me prends de court sur les noms. Là, mais c'est pour ça que je révise pour vous. C'est que c'est un Metroidvania où tu peux intervertir entre deux personnages. J'ai eu l'occasion d'y jouer au Tokyo Game Show. Donc, il y en a une qui frappe plus fort. Mais l'autre qui tire de loin. L'autre qui tire de loin, mais qui est plus fragile. Et mais donc, je l'attends celui-ci. Hein. Je suis en manque de Metroidvania. Je l'attends celui-ci parce que j'ai pas eu le temps de finir Lodos. Pourtant, Lodos, c'était pas très long, mais c'est vrai qu'il faut avoir le temps quand même. Ouais, Lodos qui a été signé, l'autre team de Metroidvania. C'est ça le problème, c'est que justement, comme je savais que Lodos c'était pas très long, je me disais toujours, il y a cette nouveauté là qui sort, je le ferai une prochaine fois, et pouf, il a disparu du Game Pass. Donc il faut que je l'achète et que je trouve le moment de le terminer. Mais du coup, oui, celui-ci aussi a l'air complètement charmant. Et moi, j'adore les jeux où tu passes d'un personnage à l'autre. Ça me rappelle Valis 3, voilà, c'est trop. C'est ça, une mécanique qui fonctionne toujours très bien. Et on avait eu l'occasion d'y jouer au TGS avec Mehdi de Netageo, que l'on salue, la chaîne YouTube Netageo, et c'est le seul jeu qu'il a pu essayer sur les trois jours à tourner. Ça m'étonne pas de Mehdi. Et il a bien kiffé aussi, donc voilà. Il n'y aura pas beaucoup à attendre, mais ça a l'air très cool. Ça a l'air absolument charmant. On va aller encore plus loin, ça à mon avis vous l'avez pas la ref, mais c'est Master Detective Enigma Archives Rain Code. Pourquoi celui-là. Si je me souviens de la. Factionsoft, c'est parce que c'est le prochain jeu des créateurs de Danganronpa. De Danganronpa, je m'en souviens plus de celui-ci. Tiens. Par contre, à chaque fois que je le vois, je me dis Kazutaka Kodaka. C'est pour Puyo. Ouais, j'ai beaucoup. Alors, le problème. Direct dans le Kokoro. C'est que j'ai adoré Danganronpa, mais souvent avec ces jeux qui recyclent le même concept avec très très peu de variantes. Le 2, le 3, j'ai moins l'effet de surprise. Mais comme Gekken Saiban pour certaines personnes. Hein, c'est-à-dire le mec qui n'a pas allé au bout du 3. Alors que c'est le meilleur de tout ce qu'on m'a dit. Mais peut-être que ce serait le temps peux le refaire maintenant, que tu as oublié un peu. Ouais, peut-être. Et on va terminer sur un jeu donc parmi les outsiders spécialement japonais. C'est Slitherhead de Bokeh Studio. Alors, Slitherhead, mais est-ce qu'il sortira le prochain jeu de Keiichiro Toyama? Est-ce qu'il sortira cette année? J'en doute. Mais en tout cas, c'est le Bokeh Studio donc, qui s'est formé sur les cendres, en tout cas de Sony Japon. Ouais. Puisque Toyama a bossé sur Siren et surtout Gravity Rush, Gravity Days. L'héritier spirituel, on va dire, de toute la branche horrifique. Et évidemment, Sony Toyama est connu pour avoir participé au projet Silent Hill. Ouais. Donc voilà, il revient à l'horreur avec Slitherhead, Silent Hill, dont on entendra aussi peut-être reparler cette année, puisque vous vous souvenez peut-être, à l'automne dernier, Konami a annoncé donc toute la Silent Hill 2, Silent Hill nouveau, Silent Hill façon visuelle novel, farandole de Silent Hill. Je veux dire, juste par rapport au studio, on peut avoir directement les réactions
notre ami Hubert. Et clairement, je suis très très impatient qu'il joue à ce jeu. À Slytherin, ouais, c'est à Slytherin, je pense que vraiment, j'ai envie de le mettre à l'épreuve, ce garçon. Ouais. Akira Yamaoka, au musique, là aussi, on est dans la Silent Hill exploitation. Ah ouais. Pour terminer, il y aura également des jeux brochettes fromage hein, qui vont se réclamer de l'héritage oui, japonais en plus. Et qui, on les attend également. Je pense à Bombrush Cyberpunk, donc l'héritier de Jet Set Radio, qui est là depuis de nombreuses années, qu'on voit toujours passer dans le segment indé. On le voit dans tous les festivals, mais qui n'est pas encore disponible à l'heure qu'il est. Donc on a hâte de voir un petit peu ce que ça donne pour ça de bon. Ça parlait de tous les jeux indés qu'on ne va pas voir venir forcément. Ouais. On verra peut-être au TGS. Je pense également à Sea of Stars par les créateurs, tu parlais du Québec tout à l'heure en aparté, par les créateurs de The Messenger et comme Chain Echoes, auquel j'ai pas pu jouer. Chain Echoes, je promets, dès que j'ai un peu de temps, je m'y mets. Malgré les recommandations d'Atomium que l'on salue, voilà. Non, mais c'est sûr et certain, j'ai envie d'y jouer. Hein. Sea of Stars a l'air vraiment de s'inspirer, là encore, pour le coup, toujours davantage de Chrono Trigger. Avec la façon dont les personnages s'écartent quand ils viennent combattre et on a hâte de voir ce que ça donne. Et puis, allez, on termine sur un dernier projet fromage, pas facile à dire. Ça concerne Microids. Est-ce qu'on aura des nouvelles de UFO Robot Grindizer, à savoir Goldorak, le jeu sous licence? Ouais. On ne sait point. Mais j'ai l'impression que vous avez l'impression que vous teasez un truc. On a l'impression que vous me teasez un truc sans trop en dire. No commento. No commento. Vous en savez trop pour en dire si peu. Mais je pense que ça va être bien. Ouais. J'ai ouï dire. Allez, je pense que moi, ça va être bien parce que c'est fait par des gens qui kiffent. J'ai ouï dire que ça va être pas mal. Ouais. Ça va être surprenant. Il y a un jeu que t'as pas cité. Ah oui. Et qui a été annoncé genre hier ou avant-hier. Ouais. C'est Fuga. Fuga 2. Fuga 2, on a la date. La fougasse. Fuga. Et Fuga 2, je crois qu'il sort. Alors attention. C'est pour de ça tête. Que... Bah, je l'ai dans le point news. Ah bien, date. Bien, bien. Le point. Mais voilà. Le 11 mai. Le 11 mai, donc un jour après Zelda. Un jour avant, je crois. Un jour avant, et ben écoute. Balle dans le pied d'Est. Ouais. Et tu sais quoi, j'ai envie de. Pourquoi il le reporte pas? J'ai envie de soutenir Fuga. Mais t'es pas obligé en fait. Si, tu peux soutenir Fuga. De toute façon, tout le. Oui, non, mais soutenir Fuga évidemment, mais pourquoi? Tout le monde va jouer à Zelda, sachant qu'on jouer à Fuga. Ou alors peut-être Zelda, qu'ils savent que Zelda est déjà retardé. Et ils se disent pour des insiders. Tu vois? Délit d'Enishikun. Ah, imagine. Non, on pourrait pas supporter que Zelda soit retardé. Oh, si c'est Aonuma qui s'excuse gentiment. Ah, non, peut-être. Mais je pense que Zelda il sera plus retardé. Ah ouais? Ah, je suis pas sûr. Hubert, tu nous isoleras cette petite extrait pour TikTok et on en reparlera. On fera un petit montage. Zelda il sera pas. Et après Aonuma, je suis désolé, il sortira en décembre. Ça serait dégueulasse après toutes les bonnes prédictions que j'ai eues sur FF16. Oui, mais enfin, c'est différent. Vous êtes complètement dans un délit d'initié, là. Ça n'a rien à voir. Oui, bien sûr. Bon, bah voilà pour nous attendre 2023. Vous avez vu, il y a énormément de jeux qu'on va suivre, au moins une trentaine, sans parler de ceux qui vont être annoncés. Voilà. J'ai une question, parce que Brochette Fromage, donc c'est les Occidentaux qui font des jeux à la japonaise. Mm-hmm. Mais quand les Japonais font des jeux à l'Occidental, faudrait qu'on trouve un nom, tu vois, genre les Pokéball ou un truc comme ça. Bah, on dit les Yogais par. Oui. Ouais, mais non, mais les Yogais, c'est les jeux étrangers. Ouais, les bagas. Ah, je pense que tu sais qu'on peut les appeler les teriyaki burgers. Non, les Aniki mon frère. En référence au film de Kitano qui tournait aux États-Unis en fait. Ouais. Et il fait un film de yakuza aux États-Unis. Les gens à l'époque avaient dit mais c'est pas bien. Mais en fait, si tu regardes le film, il est bien. Il est mortel. Mortel. C'est un chouette film. C'est, en plus, c'est la grande période de Kitano. Ouais. Brother d'ailleurs, il s'appelle. Aniki mon frère. Eh ben, on va l'appeler les Brothers. Les Aniki Brothers. On prend les suggestions. Voilà. On prend les suggestions. Bon, messieurs, on va faire une petite pause. On va juste lancer un trailer de. C'est celui de Fire Emblem Engage, c'est notre jeu du mois. Le jeu du mois. On va en parler juste après cette petite coupure. The time has come. What is that, an emblem of legend? Each emblem has their own abilities. You can call upon their unique powers and skills. Everyone, engage with emblems! Emblem, engage! Here I come! No! Grant me strength! Out of the way! I sense the Fel Dragon's presence. He's waiting for us. We have to stop Sombron. Was that me? Thank you.
Le gros jeu du mois et le premier jeu de l'histoire de Tsumimasen Turbo. Oui, c'est lui, c'est Fire Emblem Engage, qui est sorti le 20 janvier dernier sur Nintendo Switch. On y a joué tous les trois, c'est le jeu du Gattai, comme on dit. Voilà, on essaiera régulièrement d'avoir un jeu pivot auquel on s'adonne frénétiquement. Là, c'est Fire Emblem Engage, donc à l'heure où l'on tourne cette émission, ça fait une semaine qu'il est sorti. Ça a été des jours assez occupés pour vous, mais vous avez quand même réussi à prendre le temps d'avancer dans le dernier épisode, un épisode cette fois-ci développé directement par Intelligent Systems, contrairement à Fire Emblem Three Houses et Fire Emblem Three Hopes qui sont sortis, voilà, qui étaient un petit peu la même, une forme de diptyque, l'un très tactique et l'autre plus beat 'em up. Et bien là, Intelligent Systems, donc le studio à l'origine, Origine de la série, eh bien, est revenu aux affaires. C'est un jeu qui a été développé depuis longtemps. D'ailleurs, il est fini depuis plusieurs mois. Il est sorti là comme ça parce que à skip, mais ça fait quasiment plus d'un an qu'il aurait déjà été finalisé. Et Fire Emblem Engage, c'est un retour aux sources, alors à la fois au niveau du développeur, mais également au niveau de la philosophie de jeu, voire un retour en arrière pour certains. Ah bah pour certains, les fans américains sont très les déçus. Les fans américains sont très déçus parce que, en fait, il prend un petit peu le contre-pied de la personnalisation des Fire Emblem, même s'il y a tout un aspect, on va dire, de micro-management et de rapprochement typique de la saga depuis de nombreuses... depuis Fire Emblem 4, quoi. Ce côté, union et rapprochement entre les unités. Mais, du coup, on met un petit peu le frein à main sur tout ce côté... Sur le côté maison de poupée, en fait. Le côté interrelationnel, le côté persona, le côté, comme tu le disais... Le côté mariage. Développer les unions, les rapprochements affectifs, même s'il y en a. Moins de drama, moins de blabla. Moins de drama et plus de baston. Voilà. De bataille. Il reste encore beaucoup de blabla, si on veut. Oui. Énormément. Ah, bien sûr, mais tu peux aller dans les villages et les mecs vont te raconter qu'ils ont perdu leur chat ou qu'ils ont mangé des poireaux hier. Mmh. Mais il n'y a plus... Il n'y a plus cet aspect drague, je te donne un objet, tu m'aimes bien. Il est en sourdine et surtout, il a un intérêt purement tactique. C'est-à-dire que tu dis, lui, il est tout le temps à côté de lui dans la bataille, donc je vais faire en sorte qu'ils s'entendent bien, je vais lui filer une peluche ou quoi, et puis ils auront des bonus d'attaque. Mais ou des galets. Il n'y a pas ce côté où tu vas filer une lettre à machin pour qu'il se mette en couple avec Bidule, et puis tu vas aller, machin, il me plaît bien, mais je ne sais pas trop comment lui parler. Tout ça, ça a disparu. C'est là, un peu là. Mais ça n'a plus la moindre autant d'importance. Et puis, comme Three Houses était aussi... il y avait cette volonté d'avoir un scénario multicarte, donc avec plusieurs orientations possibles et plusieurs regroupements parmi les différentes écoles possibles. Ça aussi, ça a été mis à la trappe. On a vraiment atténué cet aspect-là pour se concentrer sur la bataille. Et c'est un pari assez osé de la part de Nintendo et Intelligent Systems de, quelque part, se mettre à dos... Mettre à dos le fandom qui a beaucoup poussé depuis Awakening. Ouais, et qui s'était justement emparé de Fire Emblem. Enfin, on en avait déjà parlé. Lors de l'intervention à Polymanga. Voilà, à Polymanga. Mais Fire Emblem, à la base, c'est un jeu de bataille tactique. Et c'est cet aspect, construction de communauté qui a fait que le jeu, qui n'était pas promis à un grand avenir en Occident, est devenu culte là-bas, notamment aux États-Unis. Et c'est amusant de voir qu'on essaye justement de revenir aux racines du jeu original sur NES et Super NES en éliminant un peu le superflu. Est-ce que vous pensez que c'est une volonté... Enfin voilà, Intelligent Systems se sont dit « Bon, là les gars, vous partez dans une direction. Nous, on aime la tactique. On va le faire à notre sauce. Et notre sauce là, c'est plus de bataille. » Je ne sais pas si c'est une volonté comme ça éditoriale ou simplement un truc de « Il fallait faire quelque chose de différent. » Ou aussi introduire un autre type de fandom avec le fandom Fire Emblem, puisque le principe de Fire Emblem Engage, au-delà du fait que c'est un RPG tactique traditionnel, c'est qu'on va accueillir différents emblèmes, un petit peu comme le jeu mobile. Donc ça va faire référence à tous les personnages principaux de la grande saga, et ils vont être il y en a beaucoup, puisque même donc tu as les anneaux principaux qui vont aller chercher les protagonistes des précédents Fire Emblem. Donc tu vas avoir Marth Theroi qu'on connaît forcément depuis le Smash Bros Melee, mais tous Sigurd. les
Sigurd de Fire Emblem Genealogy of the Holy War, tu vas voir Leaf de Thracia, enfin voilà, ils vont être tous là, ça va être les anneaux les principaux. Grands héros historiques. Les grands héros historiques dans le monde d'Helios, qui est ce monde voilà, que c'est l'on va parcourir. Ce sont les invoques. C'est les personnages presque. C'est les personnages. C'est les stands. Et en même temps, tu auras même des anneaux secondaires qui vont eux aussi aller piocher parmi les héros les plus emblématiques secondaires. Parfois les secondaires. En tant que boost. Donc ça, c'est le principe de Endgame, c'est que ça va faire référence. Puisque c'est une guerre millénaire qui est supposée se reproduire, et cette guerre millénaire a été menée justement par les différents héros de Fire Emblem. Là, tu as le réveil du dragon qui est ton protagoniste à toi, qui tu peux faire homme ou femme, ça c'est désormais classique, qui a pour nom Alir par défaut, mais tu peux lui attribuer le nom que tu veux. Et cette divinité dragon, comme la prophétie un petit peu il va se soumettre à la prophétie en allant justement réunir les différents anneaux pour éviter la grande menace qui se présente. Bon, ça c'est à la base. Donc il y a déjà le retour aux sources avec les emblèmes, les anneaux et tout ça. Mais donc le fandom Fire Emblem pour ceux qui n'auraient pas suivi et peut-être pour introduire, qui sait, d'autres remakes ou d'autres remasters d'épisodes moins en vue. Ouais, ça te permet de tester ton marché. Voilà, parce que s'il y a moins de blabla. Sigurd, les gens ont kiffé, on fait le remake tant attendu du 4. Sait-on jamais. Et retour aux sources également au niveau du système de jeu. C'est-à-dire que le triangle des armes qui avaient été un petit peu mis en sourdine dernièrement. Pierre-feuille-ciseau, qui est la base de Fire Emblem. On parle de triangle, mais il y a aussi les tomes. Oui, mais c'est comme ça qu'on te l'apprend au début. À la première bataille, on t'explique toujours dans les Fire Emblem que l'épée bat la hache, bat la lance, la lance bat l'épée. Ouais. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a été réintroduit de façon un petit peu plus prononcée dans cet épisode-là. Et je vais vous le dire comme je le pense, moi je préfère largement ce compromis-là de tout mettre sur le système plutôt que de tout mettre sur le persona. Je sais que le fait de ne pas avoir d'embranchement scénaristique, ça peut être vu comme un problème. Je sais que le micromanagement intrusif, ça peut être vu comme une surcouche. Mais quand tu rentres sur le champ de bataille, enfin, tu retrouves un petit peu cet équilibre qui était celui des... Le game balance. Le game balance. Le game balance. En tout cas, l'équilibre, les règles du jeu... qui sont celles que tu apprécies et qui ont fait la valeur de la série. C'est indéniable que tactiquement, il est meilleur que Three Houses. Qui était une promenade de santé. Qui était, ça dépend. Et le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, tu as tellement de choix de difficulté. Le niveau de difficulté est variable. Tu peux jouer en dur, en pas dur. Ouais. Les mecs meurent pas. Ouais, je sais pas comment vous jouez. Moi, j'ai choisi difficile. Et les mecs meurent. Mais pas permadef. Ah bon. Parce que ce que j'aurais dû faire. Si je joue en permadef, je suis ralenti vraiment dans mon jeu. À l'époque où sachant que t'as le rewind désormais avec toujours la possibilité de revenir à des tours précédents. Il y avait le rewind dans Three Houses déjà, pour t'éviter de faire reset. Mais le truc, c'est que d'abord, il est limité, tu peux pas tout faire. Et aussi une autre chose, c'est que moi, je vis avec la frustration de la perte des personnages, mais je le vis très mal. Quoi. Pareil. Je suis prêt à faire reset sur une map si je veux pas perdre mon archer. Et en hard, c'est très dur de pas perdre quelqu'un. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, à l'époque où je testais les Fire Emblem, puisque c'était mon dada. Je jouais en hardcore, je jouais le truc soit normal et sans mort, mais jamais tu n'avais pas de perso qui mourait en fait. Alors que là, voilà, je trouve que difficile, ça correspond un peu au gameplay des gens qui ont vraiment beaucoup joué au Fire et à la situation désespérée que te présente le scénario. Oui. Et puis on n'a pas tous le même rapport au temps maintenant, c'est-à-dire que pour avoir refait, donc l'an dernier c'était mon année vraiment de découverte, d'épiphanie, Fire Emblem, j'ai fait les épisodes de Game Boy Advance notamment où la mort, il n'y a pas moyen de contourner la mort. Et t'as fait Seisen no Keifu. Et j'ai fait Seisen no Keifu, mais c'était différent, c'était via le Switch Online japonais, donc t'avais quand même la possibilité, déjà Seisen no Keifu, t'as la possibilité de sauvegarder au début de chaque tour, ce qui est quand même un agrément, heureusement parce que les tours durent 2 heures, c'est une map globale en fait. Donc Seisen no Keifu, c'est le quatrième, c'est celui qui a un petit peu des batailles à une échelle encore plus délirante. D'ailleurs, ce jeu-là lui rend un petit peu hommage à un certain moment et j'ai trouvé ça assez cool. Et même sur Game Boy Advance, voilà, tu pouvais relancer la map, mais j'avoue que ça reste quand même un agrément aujourd'hui de pouvoir... En gros, je suis comme toi, je déteste le permadeath. Donc je le désactive. Non, je déteste pas le permadeath. Je trouve que ça fait partie de la personnalité. Ça fait partie du charme, de la personnalité. Le seul truc, c'est que je... Du frisson. Je suis un peu pris en tenaille dans ce truc de...
comme si on te proposait un niveau de difficulté, mais c'est comme si on te proposait un niveau de difficulté dans Dark Souls ou dans Elden Ring, tu vois, tu te sens obligé, mais tu te sentirais un petit peu genre ah, je me dirais c'est pas fait pour moi, et voilà, je me sens, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de chantage affectif à prendre le permadef maintenant, alors que j'aimais bien ça en fait. Bah c'est les gens qui veulent l'expérience originale. Ouais. Ouais, voilà, comme ça tu prises personne. Non, mais maintenant chacun peut trouver, parce qu'on joue en difficile, mais il y a un mode extrême dur en fait. Ouais. Dès le début. Tiens, je me demande par contre si tu joues avec la mort définitive dans celui-ci, parce que maintenant on le voit. Enfin, je pense que tu l'aborderas plus tard, mais les graphismes des personnages sont sublimes et hyper recherché graphiquement. Si les personnages meurent, il faut bien que tu en recrutes des nouveaux pour... Le jeu est très généreux sur le nombre de personnages que tu peux recruter, et contrairement à d'autres épisodes, souvent les nouvelles recrues que tu vas accueillir, elles sont hyper fortes. Balèzes. Oui, mais s'ils sont tous morts, ah, oui. Comment tu fais ? Est-ce que j'ai pas testé ça, évidemment, mais est-ce que la console va générer des nouveaux personnages ? En mode marathon Iron Man, il y en a qui font des runs comme ça, où s'il meurt, il meurt. Je crois que le jeu, au bout d'un moment, s'arrête. Hein, c'est le game over, en fait. En fait, l'important, c'est que ce personnage... Tu crois ? Honnêtement, je sais même pas, ce que je connais. Cette hypothèse-là, parce que j'ai l'impression que les joueurs de Fire Emblem ne la n'essayent pas. Reset, en fait. Ça me rappelle GQ... Perfect Striker, donc ISS, celui qu'ils appelaient ISS, où on essayait de faire les matchs, on essayait d'avoir le plus de cartons rouges possible jusqu'à avoir... En fait, on peut aller jusqu'à 4 cartons rouges. Et après, oui, bah c'est la règle du foot. Oui. Tu peux... Au bout de 4 cartons rouges, le match est interrompu. Le match est interrompu, ouais. Mais dans la même équipe. Oui, oui. Est-il bon de me le préciser. Bon, voilà, et celui-là aussi... ce que je trouve bien... déjà, celui-là aussi, je le trouvais tactiquement inférieur. Ce que je trouve... intéressant avec la façon dont ils ont réintroduit le triangle des armes. Ah, le prince, je le déteste. Il est vraiment. C'est que désormais, quand tu as la force, l'avantage sur par exemple, l'épée sur la hache, ça brise la garde. Oui, et l'autre ne peut pas contre-attaquer. Et l'autre, derrière, ouais. Non seulement il ne peut pas contre-attaquer, mais il ne peut pas contre-attaquer une deuxième fois. Si bien que tu peux justement inventer une autre stratégie. Tu peux moissonner les boss, du coup. Ouais, et surtout, les personnages annexes qui tapent moins fort ou que tu as besoin de faire level up, ils peuvent envoyer une tarte sans risquer eux-mêmes de s'en prendre une. Et ça, je trouve ça brillant, comme réinvention de la mécanique. Et en vrai, aujourd'hui, je regrette de ne pas l'avoir fait en difficile, parce que je me suis dit, bon, je vais me prendre des roosts et j'ai pas le temps pour ça. Tu prends pas des roosts, mais t'as des personnages qui... Genre, tu vas avoir tout d'un coup, dès le premier map, dès le premier combat, tu vas perdre un mec. Alors, il faut le dire, il faut le préciser, parce que c'est important si les gens nous écoutent et qui sont... néophytes qui sont qui sont hésitants entre les modes de difficulté. Tu peux passer de difficile à normal, mais quand t'es en normal, tu peux pas monter en difficile. Ouais. Donc, on conseille plutôt de commencer en difficile, et puis si c'est trop chaud, passer en normal, parce que le contraire n'est pas possible. Je trouve ça assez chaud. Hein. J'ai fait des premières maps et tout, et j'ai gagné sur des contres un peu chanceux, pas chanceux, mais sur des critiques. C'était technique, bien sûr. Ouais. Mais j'ai eu des bonnes et des mauvaises surprises, genre en me disant ah ouais, non, c'est quand même pas mal. Et il faut faire attention. Je pense que vraiment l'essentiel, ça reste quand même le choix du permadef ou pas. Et vraiment, si vous n'êtes pas habitué, c'est pas la peine de mettre le permadef. Quoi. Et l'autre petite concession à la modernité, c'est donc la mécanique d'engage qui te permet, entre guillemets, d'associer, on l'a dit, l'un des héros emblématiques de Fire Emblem à ton personnage. Mmh. Donc non seulement ça va lui faire des bonus permanents qui vont augmenter à mesure que l'affinité, tu vas la travailler. Oui. Là, des fragments qui vont venir s'accumuler. Ils montent de niveau aussi. Ils montent de niveau aussi naturellement. Et tu peux équiper des techniques particulières en fonction des niveaux. Et ces techniques-là, en plus, ce qui est bien, c'est qu'elles sont vachement personnalisables, parce que on va dire que tu peux augmenter d'affinité avec les différentes emblèmes et aller piocher parmi les capacités qui vont te débloquer l'un comme l'autre. Mmh. Pour faire un petit peu ton personnage à ta sauce, donc lui rajouter par exemple les forces plus 3 de Ike, avec, défense plus 3 de Ike, avec vitesse plus de un tel, et d'essayer de faire un petit peu ton gloobie-boulga et d'avoir un personnage qui lui ressemble vraiment. Ce qui est intéressant aussi, c'est que donc ils ont remis en avant, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont remis en avant le côté pierre-feuille-ciseau, ou la hache, la lance, etc. Parce que si tu as un personnage qui n'a que des haches, si tu lui adjoins un persona qui a une épée, du coup, il peut utiliser les coups de l'autre. Et donc, ton personnage qui est coincé avec sa hache face à un type qui a une épée, tu peux, toi, peut-être utiliser la lance de ton persona. Et à ce moment-là, c'est comme si tu jouais à pierre-feuille-ciseau, mais que tu avais 2 chances sur 3. Ouais. Ça change beaucoup de choses. Et donc, tu peux, grâce à ce système, tu peux faire remonter un personnage qui est un peu à la ramasse.
Est-ce que tu te dis, bon, il y a plein d'adversaires. Après, ça demande au moins de rebooter la map, hein, c'est ça le détail. Et il y a aussi un truc que ça change grandement, et ça, c'est, je pense que c'est depuis Fire Emblem, on était tombé dans une espèce de routine, c'est que tous les personnages étaient, dans Free Houses, étaient interchangeables, c'est-à-dire ils pouvaient devenir cavaliers, mais ils pouvaient aussi devenir combattants, voleurs, ils pouvaient avoir une hache, ils pouvaient monter à cheval, ils pouvaient monter sur un Pégase, et là... On perd le truc, le système. Un peu, possible. C'est possible, mais... C'est moins personnalisé. En fait, le truc, c'est que comme on a les personnages, c'est là où les personnages servent à biclasser les personnages. Voilà. C'est-à-dire et il y a des manières très habiles de biclasser le personnage. Par exemple, il y a une des personnages qui, elle, est une extension de magie, c'est-à-dire elle va booster la magie du personnage de manière exponentielle. Donc, par exemple, si on le met sur un healer, le healer va tout d'un coup va avoir une furie qui rend... rend de la magie à tout le monde, mais qui aussi permet de toucher de la magie, de healer un gars qui est trop loin. Sigurd, sa particularité, c'est qu'il est, bah, il est cavalier, donc du coup, on a des capacités de cavalier, donc on va beaucoup plus loin. Et surtout, on peut se retirer une fois qu'on a frappé. Oui. Et ça, c'est cheaté. Il a le deuxième mouvement, qui est le propre d'ailleurs de Seisen no Keifu. Vraiment, il y a vraiment des petites subtilités qui sont propres au personnage. Si vous connaissez Fire Emblem, c'est de la super fanfiction. Et en termes techniques, c'est vraiment assez habile. Hein. Ce qui est intéressant en plus, c'est que les personnages, oui, ils ont des affinités naturelles, mais ils ne sont pas forcément figés dans leur classe. Non. C'est-à-dire que t'as un emblème à tout faire qui s'appelle Leaf, puisque dans le jeu original, il maîtrise tous les types d'armes. Et donc, tu peux, en gros, avant de biclasser, tu dois débloquer la spécialité de l'arme que tu cherches à obtenir. C'est-à-dire que Leaf, en fonction de son level up, il va débloquer l'aptitude à la hache, l'aptitude à l'épée, l'aptitude à la lance. Donc, si tu veux faire de ton mec à la hache, tu dis ça ferait un bon lancier, bah, tu boostes Leaf jusqu'à atteindre la lance. Et ensuite, derrière, dans la fonctionnalité de biclassage, tu peux quand même accéder aux différentes catégories qui sont typées lance. Qui fait que ça te donne... Ça te demande un peu de... Ça te demande beaucoup de custos et beaucoup de ressources pour aboutir à un résultat qui sera peut-être moins efficace, mais c'est possible. Mais tu peux booster avec les points, là, les fragments de cristaux. Les fragments de cristaux, tu peux booster les aptitudes et tes connexions dès le début. Genre, tu lui fais juste équiper le personnage et tu boostes tout de suite. Ce qui est très pratique, hein, parce que du coup, on n'a pas à s'enfariner beaucoup de combats. Et par rapport à la difficulté modulable, non seulement tu peux rejouer plein de maps... Oui. Ça, c'est, t'as besoin d'XP. T'as besoin d'XP. Tu peux jouer des maps en ligne aussi qui vont se débloquer avec une tour des épreuves où tu vas enchaîner comme ça en mode survie les maps les unes après les autres et ça va donner de quoi crafter. Ouais, parce que même si tu perds, tu gardes ce que t'as engrangé. Et surtout, les plus intéressantes, t'as des maps annexes liées aux emblèmes qui vont permettre de les débloquer au-delà du niveau 10, donc d'atteindre encore plus de puissance. Et ces maps annexes, souvent, elles font référence aux jeux dont sont issus les emblèmes elles-mêmes. Ouais. Et ça aussi, c'est hyper malin. Le sens du détail. C'est un peu l'hommage aussi pour les fans. C'est l'hommage et l'amour clairement donné à la série. J'avais peur que ça soit un truc fanservice parce qu'en fait, j'aime pas trop quand on admet que Fire Emblem, c'est une espèce de monde partagé, ce que ce jeu induit, alors que les Fire Emblem n'ont jamais eu une espèce de continuité. Enfin, je veux dire, c'est des pays différents. Peut-être que c'est des pays sur un continent différent. Oui, c'est comme Final Fantasy, chaque histoire est détachée de l'autre. Et là, ils ont essayé quand même de faire une espèce de gloobie-boulga assez rigolo. Les dialogues sont vraiment très très drôles. Alors drôles, mais enfin, on est quand même loin de l'écriture de Three Houses. Hein, alors Three Houses reste la référence en termes de... Il y a quand même un côté, on est quand même à un retour peu niais et un retour un peu... Alors il y a... Naïf jeu vidéo japonais là, qui après avoir... atteint quand même une certaine forme de libération ou en tout cas de côté nuance de gris dans celui-ci, là on revient vraiment à quelque chose de très bateau. Il y a un truc de... Alors là, tu t'adresses au personnage, j'ai bien compris Pouillot, le truc c'est que ça c'est vrai, il n'y a aucun des personnages, même s'il y en a que j'aime bien et tout ça, il n'y a aucun des personnages qui me marque autant que ceux de Three Houses où il y avait des personnages comme Dedu. Et vraiment des personnages qui avaient des backgrounds super forts et avec des trucs intéressants et que tu t'avais envie de faire tout de la moindre de leurs séquences. Là, à partir du moment où t'aimes pas un personnage, t'as envie de juste skipper ses dialogues à lui. Le personnage, il est caractérisé, il sort très rarement de son rôle. Hein, ouais, ils sont très revenus à ce que j'appelais l'usine Heroic Fantasy de Nintendo. Mmh. Parce que c'est vrai qu'à partir du deuxième, donc Holy War, mais enfin, j'appelais ça. Enfin, c'est des personnages, on les mettait dans une machine et t'as l'impression que t'avais toujours la même chevalière Pégase, le même balèze avec un bouclier et une armure.
C'est vrai qu'il y a un peu de ça, mais par contre, je trouve que les dialogues sont bien écrits globalement. Ils sont marrants. Le script est. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des dialogues entre le persona et son manieur. Et du coup, il y a vraiment des interactions très rigolotes où t'as l'impression que l'un est en train de draguer l'autre et en fait, il lui fait non. Je trouve que c'est assez limité en fait. Moi, je trouve ça rigolo. Ouais. Moi, je trouve ça bien rigolo. C'est souvent un échange de deux dialogues. Alors après, tu pouvais pas faire. Vu le nombre de possibilités, tu peux pas faire des dialogues individualisés chaque fois que tu passes. Tout ce qu'ils ont dû enregistrer. Peut-être un niveau 5, niveau 10, niveau 20. Mais t'imagines tout ce qu'ils ont dû enregistrer déjà. C'est incroyable. En termes de voice-over et tout, c'est assez monumental. Donc moi, il y a vraiment. Tu joues en japonais ou en anglais? Japonais. Ouais. Il faut le souligner, c'est que les textes sont en français, mais on peut avoir les voix japonaises. Voix japonaise, et d'ailleurs, comme dans tous les Fire Emblem récents, il y a toujours un espèce de différentiel entre le. On voit passer sur Twitter notamment des gens qui font le distinguo entre la version occidentale et la version anglaise et la version française. Et c'est vrai que Fire Emblem, c'est celui où il y a plus d'adaptations, mais vu la masse de textes, c'est petit presque... point aussi, d'ailleurs, concession à la modernité, les armes ne cassent pas. Voilà. Non, mais c'est con. C'est à part les sceptres de soins, oui, enfin, ou de ils téléportation, pas, les sceptres de soutien, il faut les acheter. On va dire qu'ils s'usent. Ils cassent pas, c'est au bout. Oui. Tu sais que t'as 25 soins. Ouais, enfin, ils sont limités en utilisation. Voilà. Mais ils avaient déjà retiré la casse des armes il y a un bout de temps. Oui, bien sûr. Mais là, c'est vraiment pour tout le monde. Et même les armes létales. Ne casse pas non plus. Ah, tu veux dire les armes qui font des critiques hyper. Super armes, ouais. Ouais. Et c'est assez, assez spécial. Non, ce que je voulais dire, donc non seulement le scénario, je le trouve forcément beaucoup plus linéaire, beaucoup plus animé que ce qu'on a connu. Mais surtout, même s'ils ont un peu réduit la partie monastère, il y a quand même un côté très, très, très mécanique à chaque retour de map. Ah ouais, alors ça, c'est genre de routinier. La routine, et autant au début, tu fais le tour de ton village, tu dis ah, c'est cool. Ah, autant tu ramasses des après, à chaque intermission, tu ramasses des oranges et des tomates. Ton chien, va dans le verger, fais le tour de dragon, pêche ton truc. Fais le mini-jeu d'athlé. Et ça, je pense que c'est utile si tu joues en difficile que tu as vraiment besoin de tous les bonus possibles. En difficile, les trois combats du machin, le problème, c'est que moi, il y a des maps avec des points lumineux, des points luisants. Et je me dis, si je le fais pas, c'est péché. Ah ouais. Si je le fais pas, je vais louper un truc. Mais alors que tu as remarqué que si tu les fais pas, tu reçois quand même ce que tu as loupé. Pas tout. Même dans le village? Dans la zone de bataille. Tu parles pas aux gens, tu gagnes les points de bonus quand même. Ouais. Ça, c'est bien. Oui, mais par contre, il y a plein d'autres trucs, genre faire le level up, faire l'athlé, faire la muscu. Et comme c'est quand même des choses qui peuvent te faire passer un level, des fois, tu peux avoir des levels parfaits où tout le monde. Enfin, toutes les stats augmentent et tout. Et ça peut quand même faire une sacrée diff quand tu es en bataille. Bah, t'as du mal à te dire, je vais pas y aller, quoi. Enfin, t'as du mal à te réfréner. De faire le tour complet du monastère à chaque fois. Et quand tu l'as fait pour la 40e fois, parce que t'es entre. Ça commence à devenir un petit peu trop routinier à mon goût. C'est moins pire que le monastère de Souris. Toi qui as squatté vraiment bien le jeu, Puyo, et en plus qui est équipé des amiibo. J'ai pas l'amiibo Fire Emblem. T'as pas d'amiibo? Ah si, mais ils sont sous blister. Ah là là. Est-ce que le saviez-vous, notre camarade de jeu est un collectionneur d'amiibo, mais si uniquement sous boîte. Si j'ai l'amiibo Mars et l'amiibo Ike et l'amiibo Roy. Tu penses que ça aurait ramené quelque chose en plus? C'est des fragments de cristaux. Non, t'as les musiques. De leur univers Fire Emblem. Du coup, ce que je te propose, Puyo, c'est que tout à l'heure, je passe chez toi et on en déballe, on déballe ton petit Mars. Qui valent pas grand chose. C'est vrai qu'il va pas grand chose. Tu vois. Ouais. Mais bon, tout ça. Bon, on va peut-être conclure rapidement sur Fire Emblem Engage. On a parlé de la technique. Graphiquement, je le trouve magnifique. Moi aussi. Ah ouais, qu'est-ce qu'il est beau. Très, très beau. La laideur qui était sur aussi. Et la tu l'as trouvé laid? Je l'ai trouvé hideux. Et la mise en scène, en fait, parce que les escarmouches, elles sont super. Ouais, mais oui, mais ça n'a pas date. Et en fait, c'est le concepteur des combats de Fire... Enfin, l'animateur et le concepteur des combats de Fire Emblem Echoes. Donc, le remake de 3DS de Fire Emblem 2. Et patate, dynamisme, c'est réglé en deux temps, trois mouvements, les critiques qui sont hyper bien mises en scène. Franchement, c'est de l'orfèvrerie à ce moment-là. Pas de bug, pas de mec coincé dans des murs. C'est super. Et alors, ce que pas d'aliasing de tout péter. Quand tu fais le combat, c'est la situation environnante qui est prise en compte. Parce qu'en fait, la map est modélisée intégralement en 3D. C'est d'ailleurs pour ça la raison pour laquelle tu vas te balader après où tu peux la parcourir de long en large. Et en fait, la transition, elle se fait naturellement et tu es à chaque fois au point. C'est super beau. Au point. Pile sur, de si la on case, si on m'avait dit qu'un jour on arriverait à la même patate en 3D que ce qu'on avait en 2D. Ouais. Il y a juste un bémol, mais c'est pas un bémol, mais c'est que les musiques,
je suis tellement fan des musiques précédentes. Bon, elles sont un peu génériques. Il y en a une qui est très très bien, c'est dans le désert. Ouais. Il y a une boucle que j'ai mis sur le Discord de Soumimassène Turbo. Ah ouais. Ouais, je l'ai mis dans le channel musique musique JV. Je suis hypnotisé par cette musique. Mais Fire Emblem, quand ça fait des bonnes musiques, ce que je veux dire, c'est que la musique des chants. La musique de préparation de la bataille. Ah ouais, c'est vrai. Mais la musique de combat de Fire Emblem, c'est parce que moi, je joue souvent la musique de combat et la musique de la première map, en fait, presque. Et c'est qu'elles étaient tellement puissantes sur les précédents. Sur les trois précédents, on avait quand même une série de vraies réussites que celle-là, elle paraît presque un peu modeste. Mais ça ne veut pas dire que c'est nul, hein. C'est juste que c'est vraiment de l'ordre du goût musical. Hein. Mais quand t'en prends plein la gueule, que t'as les musiques, que t'as les voix digit en plus et tout... Ouais. Il y a vraiment, moi, ce truc. Et puis, il y a une lisibilité maintenant. Ouais. Vraiment, entre tout. Bah, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Mais là, le choix harmonieux des couleurs et de la charte graphique, où tu vois vraiment les lignes des mecs qui vont t'arriver sur la gueule, où tu vois vraiment le différentiel de hyper lisible. Plein d'options à l'écran, mais hyper lisible. C'est ça qui est impressionnant. Et caresser ton chat, alors, est-ce que ça t'a plu? Alors, c'est un chien, je crois. Mais non, tu peux peut-être aller chien. Mettez-vous d'accord. Les chats, alors, tu sais que. T'as les pigeons. Faut que tu sais, faut que adoptes. Moi, j'ai essayé d'adopter une poule au début. Ils voulaient pas parce que je connaissais pas assez... cet animal. Et voilà. Ah non, non, sérieusement. T'avais pas assez financé la découverte de la carte. Ouais. Ah, mais moi, tous les animaux, ils viennent me rejoindre. C'est non, t'es obligé de financer. T'es Bouddha, en fait. Ouais. C'est l'arche de Noé. Ah, t'es obligé de financer? Ouais. Ah ouais, mais moi j'ai claqué tout de suite. Ah, t'as claqué la thune. Moi j'ai fait pra. T'es grand prince. Ah ouais, non, moi je. Mais. Hubert, c'est en train de sourire, il est en train. Mais oui, j'ai récupéré un chat, c'est moi, qui est désormais dans mon jardin. Et que tu as appelé Bianca. Bah non, parce que je m'en fous. Tu peux pas nommer les chiens et les chats, c'est bizarre. Mais globalement. Ah, il y a un détail important quand même pour les fans, c'est quand même le côté waifu et husbando. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Bah, c'est toujours pareil. Je crois que j'ai passé l'âge en vrai, mais. Cela dit, Shamir dans Fire Emblem Three Houses était devenu ma waifu, donc je dis que j'ai passé l'âge. Moi, c'était la prof. Moi, c'était. Avec un M. Mathilda. Mathilda. Je crois que c'était Mathilda. Bah, visiblement, c'est adopté. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le côté waifu. Enfin, t'avais même pas besoin de rajouter du rendez-vous amoureux et tout ça, parce que de base, dans un. Enfin, ce qu'on aime aussi dans les tactiques RPG, c'est que dans un RPG, t'as genre 5-6 persos dans ton équipe, puis t'en as un qui te plaît, mais sans plaisir. Alors que dans un tactique RPG, ce que t'aimes, c'est aussi prendre les personnages que t'aimes bien, qui sont pas forcément les plus forts, mais que tu préfères visuellement ou au niveau du caractère, et faire ton groupe. Puis t'en as des forts, t'en as des moins forts. Moi, je suis plutôt Team Shining Force, mais ce qu'on appelle les waifus, t'as forcément une favorite parce qu'il y a un personnage dont le design va plus t'inspirer qu'un autre ou son attitude générale, etc. Donc pour moi, justement, trouver un personnage favori, ça fait partie aussi du charme des RPG tactiques japonais parce que c'est pas des unités anonymes. On s'arrange toujours pour faire des personnages. Ce sont des archétypes, mais derrière, on va essayer de les habiller, de leur donner un caractère, de leur donner une apparence originale. Et ça fonctionne. Il n'y a juste pas assez de persos. On débattait hors caméra, on débattait de Chloé. Voilà. Mais juste pas assez de persos très marquants comme Three Houses, qui avaient vraiment des caractères. Et puis, bon, il y avait cette rivalité entre les trois camps. Et là, tu veux dire qu'on ne les reverra pas dans le prochain Smash Bros? Tiens donc, on verra bien. Mais voilà, donc Intelligent System a vraiment décidé de battre un petit peu en retraite par rapport à l'envergure de reprendre le volant. Non, de reprendre le volant. Ça sentait que ça allait être ça. Hein. Parce que quand ils ont annoncé le truc, on a fait « Ah, ils prennent... » Et ça sent... Quand tu prends les anciens personnages pour faire un autre truc, c'est que tu veux faire un épisode un peu intermédiaire. Ils l'auraient appelé FF Gaiden, parce que Gaiden est déjà pris. Mais ils l'auraient pu l'appeler Alternate, autre chose. Engage est un nom pas mal, hein, d'ailleurs. Ouais. Mais ils auraient pu l'appeler Fire Emblem Alternative et pas Front Mission Alternative. Fire Emblem Multiverse. Ouais. Voilà. Honnêtement, bon, je vais voir la fin du jeu assez prochainement. Je préfère tellement avoir cet équilibre-là au combat, ces bonnes idées et tout ça, plutôt qu'une partie sociale hyper développée. Alors, c'est un jeu pour les anciens, de toute façon. Il faut savoir un truc, c'est que y a eu, je crois que je suis pas sûr, mais je crois avoir lu ça, qu'il y a eu une mise à jour de Fire Emblem Three Houses qui l'expurge du monastère. Ah bon? Ouais, c'est-à-dire genre tu peux faire jouer en mode facile et ça fait le rééquilibrage automatiquement de l'action. Sans que tu aies besoin de draguer. Il faudrait que je vérifie, mais je crois que j'ai avoir lu ça. Alors moi, j'ai pas eu le... T'imagines, je joue à Engage, j'ai pas envie de...
de me lancer dans un nouveau run de Three Houses, mais genre, il y a que... Du coup, deux ans après, ils avec se disent... tous les cours quotidiens et tout, là, c'était... Non, non, mais alors, justement, le monastère, c'était jusqu'à un certain point, et après, il existait encore, alors que dans l'histoire, plus, oui, dans l'histoire, il n'avait au plus aucune raison d'exister. C'est ça le, plus, le pire. Bref. Bon, Fire Emblem Engage, alors, vous validez ? Survalidé. Tiens, survalidé. On va faire la note Famitsu. Ah, la note chacun, Famitsu. Chacun donne une note sur 10, ça fait une note sur 30. Ah bah oui. Alors. Bah écoute, moi, c'est 8. 8. Moi, c'est, j'hésite entre 8 et 9, mais ouais, je resterai à 8, mais 8 en sachant que c'est une bonne note. Hein. Est-ce que je note sur 10 maintenant bah. Ah si, t'as droit au 10, ouais. au 10. Famitsu, il sort de 10. Ah, donc, c'est vrai, ouais. C'est vrai que Famitsu sort le 10. Alors ouais, mais après, si tu notes comme Famitsu, tu mets 10 à tout. Donc ça dépend, ça dépend du nombre de... Il y a qu'une de... dizaine de 40. Ça dépend du nombre de pages de pub. Non, bah, je vais rester à 8 comme Greg. Donc 8, 8, 3 9. 8, 20... ah, non, 8, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 24. Voilà. 24 sur 30. Bah, 24 voilà. Bien, hein, c'est super note. Je vais les noter, on fera une liste à la fin de l'année. Mais ouais, voilà. 24 sur 30, la note Famitsu Mimasen Turbo. Famitsu Mimasen Turbo. C'est pas mal, ça. Hein très très bon. Et ben voilà, formidable. C'est vendu. Et vous savez que c'est improvisé hein, tout ça. Hein, ouais, c'est mais ça, cerveau fertile. Ouais, bien sûr. Pas que alors, pourquoi bah, bah, sur quoi oui, il l'a eu, mais en régie, il se marre. Alors, on passe à la. C'est dans le directeur Scott. On passe à la suite. Et la suite, c'est quoi? C'est le tour de l'actualité du jeu vidéo. Et oui. Mais promis, ça va. Être... Mitraillette. Mitraillette. C'est ce que tu avais dit. Mitraillette. Sous mitraillette. Allez, sors la tablette pour le tour d'actu, le tour des news du jeu vidéo japonais. Je m'adresse à toi, Daniel. Tu l'as peut-être vu passer, mais ça y est, le DLC pour Stranger of Paradise, le dernier des trois DLC, est arrivé. Ça s'appelle Different Future. Est-ce que tu vas le lancer? Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas le montrer en stream? Je ne sais pas. Alors oui, bah oui, je vais répondre à plein de choses. C'est que j'ai regardé, j'ai reçu le communiqué de presse qui l'annonce et qui dit « Ah là là, ça y est !» Et il faut savoir un truc, c'est que j'ai pas pu lancer le deuxième DLC. Ah bon? Parce que le deuxième DLC exige que tu finisses le premier DLC. À l'ancienne. Tu l'avais pas fini. Et non, mais c'est-à-dire, on a j'ai un boss rush de boss en niveau 400, enfin genre le... En niveau sur-balaise. Hardcore. Et même en utilisant... Il y a un cheat spécial que le jeu permet, c'est-à-dire où on a magie illimitée. Même avec la magie illimitée, j'y arrive pas. Je me fais foncer un bout d'un moment. C'est vraiment trois boss... ou 3 ou 5, je sais plus, 3 boss coriaces, donc, et je suis obligé de finir cette mission, et j'arrive pas à finir, et genre c'est vraiment très 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 très, très dur. Bah écoute, il va falloir aller voir les Solus, comment ils font, parce que... Mais je les regarde, mais en plus, mais ces mecs-là, on est au même point, enfin on a maxé le jeu, donc... Ils esquivent mieux peut-être. Oh là là. Est-ce que j'y arriverai un jour, je sais pas, parce qu'en plus, ils ont l'air de dire ça se passe après Gilgamesh, donc du coup il faut que je finisse Gilgamesh, un jeu à DLC auquel je n'ai pas pu jouer. Donc on va affronter l'empereur Mathéus de Final Fantasy 2, trois nouvelles classes, artilleur, flambeur, rôdeur. Et j'ai cru lire que Tsuya Nomura a dit qu'une suite est envisageable. Ouais, j'ai vu ça. Si on vous l'a demandé. Si vous l'a demandé. Si non, mais il a dit que maintenant le jeu est réévalué à sa juste oui, valeur. Oui, qu'il est réévalué à sa juste valeur. Comme voilà, il a été redécouvert. Qu'il a été bâché. Ça, c'est grâce à Daniel et Soumy Massetur. Qu'il a été bâché. Injustement bâché. Oui, oui, non, mais je pense qu'il a été injustement bâché parce que je pense que c'est vraiment un super jeu. Ouais, putain, mais c'est juste, il est bête à bouffer du foin dans ce qu'il raconte. Mais par contre, il y a des moments où il est vraiment, c'est un jeu au contour sympathique. Quoi. Ouais. Car il y a des nouveaux jobs et ouais, tout, ouais, il y a les gunners et tout. Bon, allez, on va passer aux chiffres de la Switch en France qui ont été obtenus auprès de Philippe Lavoué. La Switch est devenue la deuxième console la plus vendue. En France, c'est la première console de salon, juste derrière la DS. En France, oui. Donc 7,09 millions de consoles. En 2022, il s'en est vendu 987 000. C'est un peu moins qu'en 2021, un peu moins qu'en 2020, mais c'était des années forcément un petit peu particulières. Et puis forcément moins que les années de lancement. Hein, donc on était au-dessus du million depuis 2018. Là, on est légèrement en dessous. Enfin, ça permet de monter un petit peu le total. Je rappelle que la Nintendo DS, c'était 10 millions de consoles quand même. Eh oui. Donc ouais, c'était bon point, hein. Ça reprécise un petit peu. La Wii, par contre. Un septième de la population française. Ah, c'est ouf. Vraiment, la Wii, c'était 6,3 millions. Et au niveau des succès, eh bien, les grands succès de l'année se nomment Pokémon Violet Écarlate avec 701 000 exemplaires quand même. Là aussi, ça fait un ratio. C'est un peu la déception. Quand 1 même. Sur 10. Ah, c'est le jeu de l'année de Greg. Non, la déception en termes de vente. Vraiment, ah oui. Oh là là. Arceus, sur l'ensemble de l'année, s'est vendu à 500
175 000 exemplaires. Donc c'est bien pas si loin. C'est bien pour une entre guillemets nouvelle licence. Ah bah oui, bon, il est sorti fin janvier, donc forcément ça lui a essayé toute l'année, mais c'est quand même assez hallucinant. Et toujours Mario Kart 8 Deluxe, hein, 445 000 exemplaires. Donc ils ont sorti un DLC. Nintendo Switch Sports, 425 000. Ça, honnêtement, j'aurais pas parié un tel succès. Je pensais que voilà, ils allaient renouveler. Je te vois venir. Splatoon 3. On va passer à autre chose. On va passer toujours sur l'actualité Switch. C'est la sortie de Is Dios in Felghana qui va revenir dans une version remasterisée, HD, bonus, tout ce que vous voulez. Voilà, Is Mémoire. C'est ce qu'on l'appelle. Il ne revient que sur Switch. Is Mémoire. En tout cas, dans cette version remasterisée. Il se fait tard. Ouais. Donc, ça va reprendre certains assets de la PSP, mais forcément relooké. Notamment, il y aura des nouvelles versions des illustrations. Là, on va voir le avant-après. Et il y aura toujours les options. Il y aura même des petits cut-ins comme ça qui n'étaient pas sur la version PSP originale. Sont remasterisés depuis la PSP, là encore. Et puis, comme la version PC qui était sortie à l'époque, c'est d'ailleurs. Il ne sort que sur Switch. Il y aura la version originale PC. Donc le son, version PC 8801 ou la version X68000 parmi les différents rendus sonores qu'il sera possible d'activer. Le vitesse va passer à 1,5 ou 2 fois si tu veux aller encore plus vite. Et il y aura pas de dégâts de chute. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Attends, il y avait des dégâts de chute ? Dans l'original, oui. D'accord, j'avais oublié. Donc c'est le remaster de Is 3. Donc, mais avec la vue dessus qui avait été celle de Is 6. Voilà, pour ceux qui ont envie de suivre. Ça devient compliqué. Ouais, ça devient difficile. Bon, on parle de Shoot 'Em Up. On va parler de d'abord la compilation Telenet Shooting Collection qui va sortir le 8 juin et qui va réunir des vieux jeux Granada, Avenger, Gaires et Psychic Storm. Oh là là. Moi, c'est surtout Psychic Storm parce que les autres sont un peu mous du genou quand même. Gaires, on l'a déjà vu. Oui, on l'a déjà vu. Bon, voilà, mais il ressort. Je suis très content que les jeux Telenet reviennent. Est-ce que tu vas mettre 16 280 yens pour t'emparer de la réplique du vaisseau Stormbringer, je ne sais pas. Alors, c'est possible, sache-le. Non, mais maintenant, je ne pense plus qu'à ça. Ah oui, voilà, il y aura des archives, il y aura des rewinds. Hey, ça pourrait faire un beau Toys pour Smi Massive Turbo. On pourrait unboxer. Donc voilà, pas de localisation. Avengers, c'était une merde. Hein. Alors Avengers, c'est le moins bon. Oui, c'est vrai que là, et moi, Avengers, je sais pas pourquoi ils l'ont mis. Enfin, c'est un jeu qu'ils avaient sorti. C'est un jeu Neon Telenet. Je l'avais acheté à l'époque parce que je trouvais qu'il ressemblait à Supercopter, c'est tout. Ah oui, non, mais il y a que les musiques qui sont bien. Et encore, hein, c'est vraiment le basique de chez Gaïares. Gaïares, ne dis pas de mal, Gaïares. Gaïares, c'est mignon, mais c'est un peu mou, quoi. Ah oui. Ah, Psychic Storm, c'était vachement mieux quand même. Bah voilà, vous aurez du drama shooting. Vous aurez tout ça réuni si vous achetez. Je crois qu'il y a une version boîte pour le Japon. Ah bah oui. Autre jeu d'émeu qui va revenir, enfin en tout cas une série chère à notre cœur, c'est Macross. Car Bushiroad a annoncé qu'un certain Macross Shooting Insight allait arriver sur PS4, sur Switch et sur Steam dans le courant de l'année. Kankaku. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus. Des nouvelles sensations autour de ça. Je ne sais pas si c'est dans ton top parce qu'on a eu une petite absence, mais tu sais, Rendizer revient aussi. Ben oui, mais on en a parlé là. Ah, on en a parlé. On en a parlé dans les attentes 2023, souviens-toi. Lui, il veut parler du shooting game d'arcade. En arcade, je crois que oui. Oui, parce que donc il y a un label qui réédite certains jeux légendaires mais je crois qu'il n'est pas disponible sur Switch. Il est disponible quand au Japon. Et Grandizer fait partie de cette collection. Il y a un génie qui s'est dit. Mazinger Z, et dans Mazinger Z, tu as. Il y a un génie qui s'est dit que c'est un super jeu et ça laisse beaucoup d'espoir au Macross derrière. Ouais. Alors vraiment. Ah, 2023. La petite surprise de cette semaine d'enregistrement, c'est l'arrivée d'un nouveau jeu Tango Gameworks dans le Game Pass, mais également disponible à l'achat si vous le voulez. C'est 30€, ça s'appelle Hi-Fi Rush. Je sais que Hubert a eu l'occasion d'y jouer juste avant cet enregistrement. C'est un jeu qui est un peu comme No Straight Roads, mélange à la fois beat 'em up et son, donc c'est vous dire si Hubert le sens du rythme ça le connaît. Et voilà, moi je suis curieux de l'essayer, j'ai pas encore eu l'occasion, déjà parce que j'ai pas de Xbox Series à la maison, mais j'ai pas j'ai pas de Game Pass. Ça va se régler assez vite parce que voilà, c'est un peu la killer app, j'ai envie de l'essayer. Il est dispo sur PC donc, du coup. Et il est dispo sur PC également, ouais. Une BO signée Shuichi Kobori de Tango Gameworks, mais il y a également des musiques sous licence, 8 morceaux sous licence. Précision, c'est pas Shinji Mikami qui a réalisé le jeu, même s'il est venu faire la promotion. C'est le réalisateur de The Evil Within qui est occidental. J'ai pas son nom sous les yeux, mais voilà. Il y a beaucoup de bons retours sur le jeu. Oui, moi j'ai pas pu y jouer à cause d'Angoulême, mais ouais. Mais beaucoup de bons retours.
Bon, et on a aussi l'avis d'Hubert. Est-ce que ça compte? Est-ce qu'on demande l'avis en stop motion d'Hubert? Hubert, fais oui de la tête. Voilà. Ouais. Faut dire bon. Un truc, il a donné son avis avant dans le Director's Cut. C'est voilà, c'est gros ouais. Mythe. Chez bon. On va parler de RPG tactique, ça s'appelle Redemption Reapers. Lui aussi, il va rejoindre le catalogue des jeux qui vont sortir en février, 23 février. C'est signé. On avait peur de s'ennuyer. Ouais. C'est édité par le studio Binary Haze Interactive. C'est un studio qui est sous la houlette de Hiroyuki Kobayashi, donc le grand producteur historique de chez Capcom qui avait produit Killer 7 et Resident Evil 4, notamment à l'époque, et même Dragon's Dogma qu'on a cité tout à l'heure. Leur précédent jeu, c'était Ender Lilies, un Metroidvania, et là, on est dans le RPG tactique pur jus. Et pour le coup, ils ont c'est fait appel à des spécialistes. C'est un tactique RPG, ça se voit pas. Hein. La game balance est assurée par des anciens, notamment Masayuki Horikawa qui a bossé sur la série Fire Emblem et également sur Kingdom Hearts 3. Au scénario, il y aura Tomokazu Fukushima qui était là sur Metal Gear Solid et Freedom Wars, et à la musique on aura Rei Kondo qui a bossé sur la série Bayonetta et sur la série Fire Emblem. C'est incroyable cette volonté d'être le Fire Emblem des grands. Ouais, hein. Le Fire Emblem des grandes personnes. Fire Emblem Berserk là. Est-ce que moi ça me fait penser, ce que je vois là, ça me fait penser à Kudelka. Oui. Parce que c'est un peu, c'est un peu l'union de plein de talents pour un RPG un peu différent. Tu lui promets pas un bel avenir là. Ouais, alors, Kudelka, je dis pas que c'est le. Kudelka c'était plus RPG. Ouais, mais tu vois, Kudelka c'était super et à la fois c'était un peu fracassé. C'est super et super nul, ouais. Ouais, c'est les deux mondes. C'était beau. Et là, du coup, j'ai l'impression qu'on va avoir un peu le même truc, c'est-à-dire plein de bonnes intentions et qu'il va avoir des côtés vraiment qui sont loin de péter. C'est l'instinct hein, qui parle. Mais ouais, non, je pense qu'il y a des moyens que je m'éclate comme sur Kudelka. Ouais. Pendant qu'on parle, il y a des jeux qui vont tirer leur révérence. À savoir Dragon. On a parlé tout à l'heure de Dino Daiboken en version action. Dino Daiboken version mobile qui avait été lancé, eh bien, il y a déjà un an et demi, va s'arrêter. Il s'arrêtera le 27 avril à midi. Tu as beaucoup joué ? J'ai fait 3 parties. Et je me suis dit, c'est encore un putain de gacha, et donc j'ai laissé de côté, voilà. Pareil. Bon, alors les joueurs auront le temps de, dès que, voilà, de balancer leurs joyaux s'ils veulent looter les trucs les plus ouf d'ici la fin du jeu, et sinon, bah, ils seront remboursés comme le veut la loi. Mais voilà, Dragon. Ah ouais, ils sont remboursés ? Ouais, maintenant, t'es obligé, il y a un remboursement obligatoire si tu as de la thune qui est laissée sur ton compte. Ah, ce qui est, laissée, que t'as pas encore dépensé. Ouais. Non, si t'as tiré des gachas, t'as payé pour le service. Ouais, d'accord. T'as payé sur le service. Donc voilà, bon, bah écoutez, on va parler également de Shin Kamen Rider Rambo, mais ça, on l'a montré tout à l'heure, c'est juste pour dire qu'il sortira le 23 mars, au cas où, et qu'on sera présent. Et peut-être rajouter aussi qu'au-delà de l'aspect beat'em up qu'on a vu tout à l'heure, il y aura quand même un petit skill tree. Et il y a aussi une mécanique de just evade, c'est-à-dire que d'évasion voilà, dans la bonne frame, un peu à la Bayonetta, si j'ose dire, et eh bien tu pourras avoir des petits bonus comme si ça. Le framerate suit. Si le framerate suit, mais on croise les doigts pour que le framerate suit. Oh, regarde le sphérié, putain. Et puis on va terminer ce tour de l'actualité avec un jeu qu'on aurait pu citer dans les attentes 2023, mais bon, est-ce qu'il sortira en 2023, c'est pas sûr, puisqu'il a été moultement retardé. Ah bon, on va forcément parler de Grand Blue Project. Quel Grand troll. Blue Fantasy. Ça fait 4 ans. Combien de fois? Non, non, il a été annoncé en 2016. Août 2016. Ah ouais, ça fait 7 ans. Et il était sous Platinum. Ouais. Bah, ça fait 4 ans si on compte pas le Covid. C'est vrai. Voilà. Le Covid est une période suspendue. Donc Platinum a rendu les armes. C'est Side Exignation qui est derrière. Et là, la différence, c'est qu'il a été présenté jouable lors de du grand festival. C'est pas garanti. Grand Zouf en plus. Inazuma Eleven aussi a été présenté jouable. C'est vrai. Quel salaud. C'est vrai. Mais ouais, là, on avait vu que ça sentait un petit peu mauvais. Mais et là en l'occurrence, le problème, c'est que tout ce temps de développement pour ce jeu, avec cet univers, c'est qu'entre temps. Grand Blue Fantasy est moins populaire qu'à l'époque. Ah bah c'est fini maintenant, les gens sont passés à Uma Musume. Hein. Ouais, et en plus, tout ce genre de jeu enfin, était pas regardisé par. Il y a eu Genshin Impact surtout. Et Genshin Impact cartonne au Japon aussi. Voilà, il faut que ce jeu puisse exister en dehors de la licence. Faut que ça soit juste un bon jeu, pas juste un. En tout cas, je le trouve toujours aussi impressionnant. Hein, pas un jeu Grand Blue Fantasy, c'est ça qui. Ouais. Bon, on parlait de l'accessibilité tout à l'heure. Là, la différence, c'est que tu as deux modes. Regarde le déluge de moyens, t'imagines ? T'as deux modes d'accessibilité. T'as le mode assist où vraiment les techniques vont s'enclencher quand tu appuieras sur le bouton. Et t'as le mode full assist où t'as juste à diriger le personnage au stick et il fait tout seul. Il se bagarre. C'est quand même assez hallucinant. C'est pour les gens qui ne jouent que sur téléphone portable. Exactement. Bon, moi je le trouve toujours aussi impressionnant et pour si vous aimez Grand Blue Fantasy il y a une date, il n'y a pas que la technique, il y a aussi la direction artistique. 2023 c'est tout.
2023, c'est tout. Et worldwide, par contre. Juin 2023. Ouais. Genre facile. Et ah oui, il y a personne, t'inquiète. Ouais. Tant qu'on est, tant qu'on parle de Grand Blue Fantasy, là, le jeu Versus, qui lui aussi était sorti pendant le Covid, bah, il va revenir dans une version Rising en 2023, où on va retrouver les 24 personnages de Grand Blue Fantasy Versus. Et même ceux qui étaient en DLC, bah, forcément, ils seront inclus. Alors, ils vont refaire des season pass et tout. La différence, c'est qu'il va accueillir bah, le fameux rollback netcode et des lobbies à peu près modernes, qui était l'un des grands manques, comme le soulignait mon ami Von Yaourt à l'époque. Donc voilà, tout ça, ça va. C'est des grands manques. Bah, c'est non. C'est pas pour ça qu'on irait forcément, qu'on l'aurait forcément squatté. Mais si t'as envie d'avoir un univers un peu compétitif, inaperçu malgré le gros poids de l'annonce. Mm. Quand ils ont annoncé qu'il y avait ce jeu-là, tout le monde dit waouh, ouais, c'est le plus beau jeu de la terre, machin. Et puis quand il est sorti, personne n'y a joué. Mm. Enfin, personne. Pas grand monde, on va dire. Bon, voilà pour le tour de l'actualité. On va bientôt se dire au revoir. J'avais besoin peut-être d'une de vos recos jeux vidéo, au-delà des jeux qu'on a cités, notamment Fire Emblem. Bah on a joué au même. Jeu Fire Emblem, mais je pense qui est pratique. Je pense qu'on a eu le même truc. Greg, on peut le faire. 1, 2, 3. Persona 3. Ah bah oui, ouais, il est arrivé la veille de Fire Emblem. Persona 3 et 4, d'ailleurs, ont débarqué sur le Game Pass. Et du coup, bah, on peut y jouer sur les consoles de salon modernes, alors que c'était donc le P3P, donc le Persona 3 version PSP, version c'est portable. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a ces icônes et voilà, ces dialogues. On ne peut pas se déplacer, en fait. On peut, peut te déplacer dans l'école, mais oui, effectivement, mais pas sur ces zones-là, quoi. Tu as beaucoup de zones qui sont fixes. Donc c'est vachement bien parce que ça permet de découvrir les bases du 5, puisqu'on rappelle, hein, Persona 2 avait retiré les fusions et Persona 3 donc les remet. Et c'est drôle parce que il y a beaucoup de gens qui ont découvert Persona avec le 5 en fait, et faire ou refaire Persona 3 aujourd'hui, c'est voir vraiment toutes les bases du RPG qui est devenu Persona 5 et voir tout mais en plus simple. C'est Persona 3, c'est Persona 5, mais avec moins de blabla, avec moins d'options. On va plus à l'essentiel. Plus immédiat, parce que plus simple derrière, le jeu est... Le jeu est compliqué, hein, mais je parle plus simple dans son déroulement esthétique et on va dire en dehors des combats qui sont, bah, comme dans tous les Persona, assez tordus. Il y a quand même pas mal de choses à faire au lycée. Il faut choisir son club, il faut quand même, tout comme dans le 5, il faut évidemment gérer son personnage. Qui peut être masculin ou féminin, c'était l'une des particularités de cette version PSP à l'époque. Et d'ailleurs, le scénario est différent, que tu sois un homme ou une femme. Et le fait que tu puisses choisir tes activités te donnera des stats différentes qui vont faire de toi un personnage plus intelligent. Ou plus, parce qu'il faut sauver le monde, mais il faut aussi réussir son examen. Ouais. Ça c'est assez amusant, c'est vraiment la particularité de ce jeu où tu vas devoir réussir ta vie d'aventurier et ta vie scolaire. Oui, l'une et l'autre se répondent. L'une et l'autre se répondent. Mais voilà, quel sauveur du monde tu serais si t'as pas ton diplôme, quoi. Voilà, exactement. Alors en même temps, ça fait étrange de revoir ce jeu que j'ai squatté il y a 15 ans. Ouais. Et surtout, j'ai squatté la version PS2 et à la différence de la version PSP. Là, globalement, les joueurs retrouvent un petit peu leur petit, au sens où, même si la fusion de monstres, tu peux pas choisir quel skill va hériter l'un et l'autre, et ça peut être un peu chiant, donnes des ordres à tout le monde. Ouais. Dans le Persona 3 original, c'est chacun pour soi. Ouais. C'est des consignes. Oui. Et t'es pas sûr qu'il fasse ce qu'il faut. Et quand t'arrives à la fin de ton boss et que ton mec, il fait de la merde, il le heal ou il rate. Il balance du feu et que le boss absorbe le feu, t'es vénère. T'es vénère, et ça, c'est ce qu'ils avaient changé sur Persona 3P. Ouais. Et heureusement que c'est cette version-là qu'ils ont choisie, qu'ils ont retenue. Bah moi, j'ai commencé Persona 4. Persona 4. Bah, j'ai juste refait le début. 3 parce et que... 4 non, bah, le début, c'est une heure et demie sans jouer. Hein, mais j'adore le début, c'est parce que c'est quand même un coup de nit. C'est ce qui est intéressant dans Persona 4, c'est quand même que ça se passe dans un monde rural. J'adore en fait, j'adore Persona 5. Mais Persona 4, ça se déroule dans un petit bled et tout. Il y a une vraie intrigue, il y a les flics locaux et tout. J'adore Persona 4, quoi. Et je pense que même à plein d'égards, je préfère Persona 4 à Persona 5 parce que y a un truc avec la musique, l'ambiance générale, les personnages. C'est vraiment qu'une histoire de goût, hein. Quels sont les persos que tu aimes le mieux? Et je me pose une petite question, justement, vous qui avez joué, le fait de revenir à des labyrinthes aléatoires, générés. Tartarus. Ça passe. Ce qui est embêtant, c'est vraiment la technique qui a vieilli. C'est-à-dire que moi, j'y joue sur la Xbox. Bon, tu te dis. J'ai pas l'impression que le portage soit ouf. C'est la version PSP un peu lissée, quoi.
Donc, il n'y a pas eu de gros retravail. Ah oui, mais c'est la Vita, moi. Moi, c'est version Vita. Ouais. Donc, j'ai envie de dire, heureusement qu'il est dans le Game Pass. Mais ça permet vraiment de... Enfin, une fois que tu es vraiment dans l'histoire, tu fais plus attention aux petits personnages un peu Lego, quoi. Puis c'est bien que les gens ils aient l'occasion d'y jouer, parce que Persona 4 Golden, il est devenu inaccessible, ou alors... sur le store de la PS Vita, mais bon, il faut se dépêcher parce que il est fermé, le store de la PS Vita. Je crois que maintenant il était, enfin, de la Vita TV, je crois. Ils voulaient le fermer. Ils ont ah oui, reculé. Non, il y a ça à râler. Donc, je mettrai pas ma main. Est-ce qu'on peut encore acheter des jeux Vita sur le store? Je sais pas si je crois. Oui, vérifier, je crois. Mais... je crois que ma Vita TV, ouais, je crois. Mais ça durera pas longtemps de toute manière. Donc ça veut dire que soit tu achètes la cartouche qui coûte méga cher. Enfin, vrai. Je trouve ça bien que tous ces jeux qui sont inaccessibles tout d'un coup redeviennent accessibles. C'était un peu le truc d'ailleurs que du remake de Saga Frontière, Minstrel Song. Ouais. Je trouve ça cool que tout d'un coup on puisse rejouer. Surtout les jeux de cette génération qui sont un peu à mi-chemin entre les deux et que tu peux. Ok, et bon, ce sera votre reco jeu vidéo. Exactement. Tous les deux, on en aura d'autres sur les mois suivants. Bien mais voilà. Voilà, c'était un mois. Faut dire que c'était un mois relativement creux, heureusement. Voilà. Et il fallait préparer cette émission aussi. Il fallait préparer cette émission qui a été extrêmement bien préparée. Daniel. Faut le dire, c'est qu'il y avait toute la partie technique, il y avait la partie éditoriale, il y avait la partie Patreon. Avant de se quitter, je fais juste un petit focus sur ce qui va sortir dans le mois. Qui va nous séparer de Summer Massin Turbo numéro 2. Rapidement, Hubert, c'est là où Hubert est magicien, parce que, regardez-moi ça, je vais lui sortir un nom. Voilà, pour le mois de février, on va quand même être nouveau surchargé de jeux. On va commencer par Raiden 4, Mikado Remix. Ah, je l'attends. Hein. Ouais. Voilà, alors Remix Mikado, ça veut dire qu'il a été fine-tuné, donc amélioré en suivant les conseils des fans de jeux d'arcade, notamment ceux de la scène Mikado à Tokyo. Ça sort légendaire. 3 février. 14 février, si vous êtes seul, il y aura la possibilité de jouer soit à Labyrinth of Galeria. Labyrinth of Galerien. Labyrinth du Galerien, oui. Qui est un dungeon RPG, la suite d'un Labyrinth of Refrain, je crois que. Qui a été très très bien reçu au Japon. Malheureusement, j'ai jamais réussi à trouver du temps à lui consacrer. Et sinon, il y aura en France, Wanted Dead. Oui, là, je suis sur les sorties françaises. Où je préciserai le cas échéant. Mais globalement, maintenant, tout sort en même temps. Wanted Dead. Donc ça, c'est le beat'em up TPS à l'ancienne avec les créateurs de Soleil. Mmh. Donc Soleil qui a fait Valkyrie Elysium. Mais j'ai envie de jouer à ça. Il y a du FMV. Ouais. Ça a l'air. Ça, c'est Stéphanie Justin, c'est Quiet de Metal Gear Solid 5. Phantom qui, ce coup-ci, n'aura pas de problème de peau. Oui. Voilà. Elle pourra respirer. Voilà. 16 février, on en a parlé tout à l'heure, c'est Theatrhythm Final Barline que là, je pense que c'est... Bon, oui. Je pense qu'il y a déjà une reco garantie mois prochain. C'est bon. Et il sort sur quelle machine, celui-ci? Sur Switch. Et uniquement sur Switch. Ouais. 17 février, Tales of Symphonia Remastered, lui aussi, on en a parlé. Et Wild Hearts, donc ça, Tales of Symphonia, bon, tout le monde connaît. Et Wild Hearts, lui aussi, sort le 17 février. C'est ouf à quel point. Donc le fameux sanglier, un label sanglier. Mais il a raison de sortir maintenant, parce que après... Je pense que dans... Non mais c'est Toki Den 3, franchement, ils sont dire, les mecs, on a Toki Den 3 qui dort, vous voulez pas nous le financer? On va le rhabiller un peu. Il sort chez... Electronic Arts. Originals. 21 février, là aussi, putain, Like a Dragon Ishin. Ah oui. Comment on va faire pour trouver du temps? Comment on va faire? Je sais pas. Il va falloir prendre des vacances. Peut-être on va demander à Hubert de jouer un ou deux jeux. Peut-être, ouais. Et attends, ça c'est 21 février, mais 22 février sort le PSVR 2 avec Tetris Effect Connected, Res Infinite et Kizuna AI, That's the Beat, mon cher Hubert. Donc là, voilà, on va voir Tetris Effect Connected chez NN's Games. Shuya Yoshida qui s'est prêté à l'exercice. Mmh. Ça fait partie des jeux que j'ai mis en avant, mais il sort une tripotée de jeux pour la période de sortie. Ils ont la mise à jour des anciens. Mise à jour payante des anciens aussi, ouais. Payante ? T'as un petit supplément, oui. Ah ouais? Eh ben oui. Oh non! Eh oui! Oh non! Une petite surprise. C'est dégueulasse. Ouais. 22 février, Digimon World Next Order arrive également sur différentes plateformes, mais c'est pas grave, Hubert, si tu l'as pas en magasin. 23 février. Ah, tu l'as quand même? T'avais perdu ma. Elle est là. Ah, ça va, après 3h30 d'émission, c'est pas si grave. La Digimon. Voilà, Digimon. Elle a mangé ton sandwich. Digimon, petit monstre. Il sera là, ils seront là, ils seront tous venus, mais on va vite zapper, on va passer. Encore là, donc j'ai dit 21 février, 22 février, 23 février, c'est Grim Guardians, le fameux Metroidvania dont on parlait. Et 24 février, on va enchaîner chez Nintendo et sur Switch, même s'il y a du Square Enix dans la besace, avec d'un côté Kirby's Return to Dreamland Deluxe, et de l'autre, pour finir, donc vous retenez bien, 24 février, Octopath Traveler 2. Tout ça c'est que février. Tout ça c'est que février. Tout ça c'est que février.
Putain, bon, on dit, y a tout et ça c'est qui que, sort dans l'année, et c'est ce, bien. Sont, ce ne sont que les jeux japonais. Voilà. Oui, oui, oui bien sûr. Je sais qu'il y a d'autres jeux qui sortent, mais bon, ils ne sont pas japonais, on s'en fout. Mais... c'est ma boule. Ouais, comment on va faire. Et en plus, il y a toujours les petites surprises. Hein. Parce qu'il y a parfois des jeux genre... Mais Shadow Drop, pas... regarde Hi-Fi Rush. Non, mais on les a pas vus arriver, plaf. Comment on va faire pour Soumimasen Turbo numéro 2? Il va falloir faire des choix. Il va falloir carburer, il va falloir peut-être en oublier un ou deux pour les passer en Soumimasen Combo. Ouais. Par exemple. Mais comme vous êtes habile, comme vous faites des transitions. Est-ce que ça serait pas le mastermind grec de cet univers, Ouais. Bon, quoi qu'il arrive, on vous remercie d'avoir suivi Soumimasen Turbo, première émission, même si on n'est pas doué pour la numérotation, voilà. C'était la véritable première. Merci de nous soutenir. Merci de nous soutenir à nouveau. On espère que ça vous a plu. Alors, on sait que c'est très long, mais forcément, le chapitrage est là et vous n'êtes pas obligé de tout vous farcir d'un seul tour. Hein. Vous pouvez vous le mettre. Après, il y a les gens qui trouvent que ce n'est jamais assez long. C'est vrai. Ouais. Vous pouvez vous l'écouter dans la voiture, parce qu'on est aussi disponible en format podcast. Voilà, sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Et sur le Patreon, évidemment. Et sur le Patreon, puisque. Il arrive dans le flux. Dédié à ça. Tout à fait, il arrive même plus tôt pour les chevaliers divins. Oui, parce que... ne te trompe pas. Puisqu'il y a des grades de chevaliers, il y a les chevaliers de bronze, argent, or et divin. Or et divin. D'ici là, nous, on va préparer Soumimasen Turbo numéro 2, Soumimasen Combo. On va avancer aussi sur tout ce qui concerne les textes. Il y en a quelques-uns qui sont déjà en réserve. N'est-ce pas ? Pour les chevaliers d'argent. Je sais, mais excuse-moi, je suis un homme très occupé. Oui, c'est vrai. J'essaie de trouver le temps de tout. Tu t'occupes de ton chat maintenant. Je m'occupe de mon chat, mais pas que de mon chat. Donc, ça fait beaucoup d'activités. Mais voilà, on va prendre le temps de tout ça. Et puis, penser aussi à l'intervention en public, puisqu'elle a été également validée. Oui, c'est vrai que nous aurons une intervention publique. On voulait quand même attendre d'avoir quelques émissions prêtes, des émissions qu'avoir au moins quelques mois d'histoire quand même. Parce que en fait il y a plein de, Puyo a plein de projets aussi pour l'émission, il nous fait il faut que je fasse un quiz et tout. Si on avait fait un quiz là, l'émission elle faisait 5 heures. Et Puyo il dormait pas pendant 2 jours, donc on s'est dit qu'on va y aller doucement au fur et à mesure. C'est vrai que c'est notre première émission, c'est vrai que c'est un nouveau concept, encore une fois c'est un tout nouveau concept jamais vu, mais on va affiner notre proposition au fur et à mesure des mois. On est tout petit et on débute et on va trouver des guests régulièrement. Et on est nouveau sur le plan. Et on est nouveau dans le YouTube Game. Dans le YouTube Game. Donc, inventer des miniatures et tout ça, c'est nouveau. C'est vrai que ça manque de frigo, de boissons énergisantes. Alors, détrompe-toi. Ah bon ? Détrompe-toi, mais c'est possible. Oui. Et je le prouverai le mois prochain. Oh là là ! Voilà. C'est vrai ? Scoopou. Scoopou. Je sais même pas de quoi il parle et pourtant on discute de tous les détails. Popiette. Non, ça va être bien. Et je remercie encore une fois tous ceux qui nous ont aidés depuis le début, le lancement de Soumimasen Turbo, Vincent pour le logo, mon cousin pour la musique, Midi Musique pour la musique, mais également pour les vignettes. Mmh. Eh oui, Aude, Midi Vignette, Aude alias Uzagaijin sur Insta et Twitter, qui a fait les photos officielles de nos portraits et qui regrette de pas être là parce qu'elle est encore un Angoulême. Mais Gozu pour le soutien qu'ils nous ont apporté, évidemment. Ato pour le soutien qu'il nous a apporté, et alors Hubert pour le soutien qu'il nous a apporté au quotidien. Hubert, vas-y, la danse du robot. Hubert, pas manger pendant 3 heures. Oh là 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 là, mais c'est mourant. C'est le métropolis. Quelle fluidité. Ah non, mais vraiment là, c'est Fritz Lang là, mon gars. Ben voilà, on vous donne rendez-vous. Et merci. Alors, comment le créditer? Notre ami commun, on va à dire. À tous nos amis communs. Non, mais pour le studio. Le studio, oui, notre ami commun. Notre ami commun pour le studio. Pour ce studio, tellement posé. Voilà. Hein. Ouais. On est dans une salle secrète du studio. Voilà, et voilà, c'est ce qui nous permet d'avoir gardé un peu cette structure familiale pour une émission qui commence et on espère va faire beaucoup d'autres émissions. Et ben voilà, ça veut dire qu'on va pouvoir se quitter sur ces au revoir. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour Soumimasen Turbo épisode 2. Bah, d'ici là, soyez fidèles au rendez-vous. Voilà, étalez votre visionnage, rembobinez si. Regardez-le en 0x75 aussi. Ouais, en 0x75. On aura l'impression qu'on est bourré. Oui, Green Guardians. Ah oui. Mais tu sais qu'il y a des mecs qui font regarder vraiment. On pourra faire du ASMR, Soumimasen ASMR. C'est un prochain police. Soumimasen. À la prochaine. Et merci de nous avoir suivis pour cette émission. Merci à tous. Attends, ça donnerait quoi, Soumimasen ASMR? Non, je pense que le prochain Final Fantasy XVI ne tiendra pas tout.
toutes ces promesses. New Night. Allez, ciao. Salut. Sayonara. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。